Oui, Big Badaboum, Big Badaboum, ça va ou quoi? C'est la télé, c'est le chinois, on tape tous dans la coque, les gars, c'est bon. On va voir avec un peu de chance si on peut pas trouver des enfants et ils vont les caresser. Enfin, oui, allez. Vas-y, je me mutesse. Salut. Oui, oui, salut, oui. Salut, oui, salut. Enchanté, oui, je viens d'arriver, oui. Merci en tout cas de nous prendre, monsieur, c'est gentil, bien des mêmes. Y'a aucun souci. Je vous dépasse. Bah, je sais pas, vous avez l'air d'être un peu rangeur sur les bords, vous m'emmeniez pas au Flucking Blue Boy, j'y suis déjà allé cet après-midi, j'ai pas trop envie de revoir ce que j'ai déjà vu, d'accord? Non, vous inquiétez pas, de toute façon, il est en rénovation actuellement. Vous êtes arrivé dans cette ville aussi, monsieur? Oui, effectivement, j'ai un correspondant ici, en fait. Non, mais je parlais à monsieur juste derrière. Ouais, moi, je suis arrivé là, ce matin, là, je viens de Dallas. Je venais pour un tournoi de billard. J'étais dans le Connecticut, là, bon, oui. On m'a demandé de venir pour... à la base, je devais venir pour aller voir un ami, mais... Il y a comme un malentendu, quoi. C'est vrai que c'est quand même... je connais le Connecticut, j'y suis allé une fois, et c'est très appréciable de voir enfin un État qui prend des mesures pour la ségrégation raciale. Ça m'a fait plaisir de ne pas voir trop de Noirs. Ah ouais, ouais, c'est pas trop pour ça que je suis là-bas, mais bon, c'est vrai que on m'a imposé, quoi. Je travaillais jour et nuit, quoi. Je fais les 3-8. Ah ouais, d'accord, ok, lui il a posé les bases, quoi. D'accord, ok. Bon, ça se voit qu'il stream pas. Il est pas en live. Ouais, c'est ouais, oui. C'est le surprotectionnisme racailleux, ça, derrière. Regardez, maintenant, ils barricadent les quartiers pour les laisser entre singes. Vous pouvez même leur lancer quelques aliments, si vous voulez, généralement. Quelques petites cacahuètes. Exactement. Ça leur fera les dents, si j'enlève, vous voulez dire. Non, mais ça, c'est les pauvres, ça, tu vois. Tu vois, ces quartiers, on est obligé de passer par là pour arriver au centre-ville. C'est comme ça, dans tous les États-Unis, quoi. Effectivement, c'est un petit peu les quartiers pauvres... de la ville. Et moi, je sais pas, montrer le rêve américain. Vous faites Uber depuis combien de temps, là? Parce qu'en tout cas, merci de nous prendre rapidement, hein. Bon, je trouve que j'ai pas assez d'argent, hein. Comment ça, vous n'avez pas d'argent? Je suis envie de prendre toujours la formule groupée, quoi. Ah oui. Ah, vous ne connaissez pas, d'accord. Ouais, bon, j'apprends à vous connaître. Enchanté de vous connaître. Ouais, je me présente, c'est Edouard. On m'appelle Eddie. Eddie, enchanté. C'est bizarre, ça, parce que Edouard, ça sonne pas comme Eddie, quoi. Enfin, ouais, mais ça, c'est voilà, c'est quand bon, je vous fais confiance, c'est la télé, c'est Chiloche, on tape deux ans la coque, quoi. C'est l'amitié, voilà. Quoi. Big badaboum, big badaboum, quoi. Je vous conseille d'aller faire votre enregistrement pour avoir vos papiers. Oui. Ouais, ça serait important de se faire recenser, quoi. C'est des commentaires. Ouais. Bon, je vais travailler ici en tant que saisonnier. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Un peu d'humour. Oui, alors on n'est pas au champ, moi, je suis pas avec ses peignes au cul. On vient d'arriver dans cette ville, messieurs les agents. Tu reviens de la Réunion, toi? Attends, s'il te plaît, monsieur. Attendez. Allez-y, l'étranger, je vous écoute. Ok. Ouais, c'est pour savoir s'il y a un formulaire pour être recensé, quoi. Pour l'instant, l'SPG, je sais pas si elle recrute. Fichier. Oui, nous recrutons, mais sur CV, donc on laisse un nom sur notre site. Je pense que vous avez mal compris, il y a une incompréhension, parce que là, je pense que ça doit être la fin de la journée, du coup, ça, vous avez un peu le cerveau retourné, j'espère que c'est pas naturel. Là, mon ami, il demandait juste s'il y avait justement un formulaire, comme un visa, vous voyez ce que je veux dire, pour dire on est là. Parce que le problème, c'est que cet homme-là, mais pourquoi il parle quand je lui parle? Non, tranquille, pas flex. C'est pas lui qui parle. Alors, c'est vous faites dans les attardés, je vois dans l'information, quoi. C'est quoi sur les... Non, mais il ne fait pas partie de la SPG, monsieur, celui de là-bas. Ah, très bien, très bien. Ouais. Non, parce que je crois que le monsieur-là, j'ai déjà vu sa photo dans un commissariat, il faut qu'il pointe, je crois, toutes les semaines. Hein. Ça doit être des affaires de paix. Ouais, Est-ce que ce serait possible de parler à un officier compétent, s'il vous plaît? Elle est trop belle pour une voiture de police. Ne le prenez pas mal, mais votre gilet orange est tout un signe. Bah, c'est lui qui parle, là. Salut. Mais pourquoi il change de voix? Il y a personne qui change de voix, là. Il y a personne qui a changé de voix, monsieur. Et arrêtez de pointer cette arme, là, s'il vous plaît, restez... oui. Ah, ok. Celui-là, vous avez cette voiture, c'est ça? L'accès des visites. Ah, ok. Monsieur, vous êtes agent de police, vous êtes censé représenter cette ville. Bon, vous voulez quoi, monsieur? Je vous écoute, c'est bon. Non, mais on a bien compris qu'on allait faire des branquignoles, on peut pas être servi, quoi, et protéger. Les branquignoles.
Alors si je puis dire, quoi, si je puis dire. Ah bah je sais pas, c'est... Alors non, c'est pas que, non pas que vous limitez pas bien, hein, mais ça vous aide le poids niveau, voilà. Là je suis pas en train de parler à un policier, là. Pas, j'ai l'impression de me parler à du PQ, hein, et j'ai envie de me torcher avec votre chapeau, là. Je dirais même plus que c'est que cette histoire, les îlotiers, j'ai l'impression de parler à un stérilé, quoi. Vous inquiétez pas. Bon, si vous voulez, je parle, pas de soucis. C'est pas une question de temps, on vous demande des renseignements, les gars. Ah bah c'est sûr que c'est très drôle, ça. Je savais pas qu'on recrutait des mineurs. J'ai l'impression qu'il a vu ça quelque part, il s'est dit, bon, je vais le caler maintenant, je vais être drôle. Mais quel idiot, quoi. Bon, on va aller déguerpir, j'ai pas l'impression qu'on soit en terrain de sainteté ici. Bah, posez votre question. Attendez, mais c'est vous qui protégez cette ville? Ouais, c'est nous qui protégez cette ville. Alors, déjà, pour rien parler, d'accord, mais c'est pas ce s'il vous plaît, monsieur Cadet, respect, s'il vous plaît, par contre. Désolé pour. Non, y'a pas de soucis, on vient pour les renseignements, mais c'est sûr que vos cadets, il va falloir les former autrement, quoi. Comment ça, Allez, on va faire la circulation, on va parler à ton supérieur. Allez, dégage. Et rangez ce taser, on n'est pas agressif. Une seconde. Ouais, ou au pire, utilisez-le pour enfin faire jouer à votre femme. Ça pourrait servir, un petit coup d'électrocutation. J'ai toujours dit, ces mecs-là, c'est leur petit pistolet, c'est en général le prolongement de leur petit zizi. Ouais, c'est pas faux. Mais il a une tête à faire du sport élec, lui, hein. J'ai envie de te dire, il en aurait besoin. Hein. Carrément. Le genre de mec qui paye un abonnement de $30 par mois pour pousser à la chaîne et faire ses leg days. Bon, si vous avez pas de questions, vous pouvez circuler, s'il vous plaît. Attendez, monsieur Michael Costa, vous êtes du LSPD? Oui, bon, vous êtes quel grade, s'il vous plaît? Je suis officier. Moi, je pense qu'il est grade beau gosse, hein. Il est quand même sacrément beau gosse. C'est si vrai qu'il est quand même pas mal galbé, hein, je dois l'avouer. Merci. Vous vous présentez bien, quoi. Ouais, vous bombez le torse, contrairement à votre collègue. Là, bon, c'est dans 20 degrés moins, je pense qu'il a moins de responsabilités, et encore heureux, quoi. Je le vois bien avec sa tête faire un peu le cône, là, en circulation. Qu'est-ce qu'il veut, le noir? Le truc qui bombe, hein, c'est la bombe pour se faire le pénis le soir avec sa dame. Ouais. Quoi, je crois bien. Est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un de grade? Ils ne sont pas actuellement. Le plus gradé dans la ville actuellement, c'est moi. Ah bah. Ouais. Et il va vous ressembler à un putain de feu rouge. Vous êtes commissaire, c'est ça, genre de truc comme ça, quoi? Actuellement, c'est moi le plus gradé. D'accord, un genre d'officier au-dessus des cadets, quoi. C'est ça. Très bien, bon. On va pas vous déranger plus longtemps, je pense que vous avez mieux à faire. Ah mais attendez, mais c'est ce soir qu'il y a le remake de Speed, là, avec le bus. Il est là, l'acteur, là, je voulais l'autographe, moi. Depuis tout à l'heure, là, je vois passer le bus. Je vois un bus, là, attention à vous. Ah, ça explose au bout de combien de temps, dans Speed, je me souviens plus, là. Audio, c'était 90 minutes, je crois. Arrête de t'abonner tous les deux fois. Est-ce que vous savez s'il y a une petite soirée ce soir? Non, je ne sais pas, monsieur. Je l'esquive parce que bon, je le connais, les gars. Hein. C'est 303 ans d'abonnement, mais bon, je le verrai en IRL. Vu que... En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre sympathie, même si j'ai l'impression que vous avez la conversation d'un poney qui viendrait tout juste de naître. Désolé, monsieur, on a beaucoup de soucis là actuellement. Oui, si vous voulez qu'on vous aide, n'hésitez pas. Non, vous inquiétez pas, monsieur, c'est qu'on a beaucoup de. Moi, je vais faire de la médiation, je l'ai fait ça dans des quartiers un peu, comment dire... Oula, ouais, salut Tupac, comment ça va? T'es pas sur ton île? Excusez-moi, pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Faudrait peut-être le réprimander? Lui, pour le moment, ça va être un dieu qui s'en occupera. Ah d'accord, il est en cosplay à Melbent, là, il a le poing levé. Je pense qu'on... Oui. On pourrait être de très bons officiers pour vous apporter de l'aide, parce que regardez, vous avez l'air un petit peu esselé. Je suis désolé, mais votre cadet. Il y a des personnes qui viennent vous provoquer en voiture et vous font des doigts délibérément. Oui, mais pour cela, messieurs, nous allons avoir besoin d'un palin de jeu. C'est autre chose. Vous êtes monothéiste? C'est une religion. Vous avez besoin d'un dieu? Oh, les cadets, faites appel à un dieu qu'on me le dégage, c'est trop long de merde. Oui. Désolé. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous auriez l'obligeance de nous prêter une voiture de police qu'on puisse se faire les dents, justement, avant le CV? Non, monsieur, ça ne doit pas être possible. Je pense que mon ami doit pouvoir user de ses faveurs buccales afin de peut-être procéder à quelque chose d'intéressant, oui. Regarde, ils restent en spec. Bon, ils sont en direct, exactement c'est ça, Yurto. Ils sont en kiff, ils nous regardent dans spec. Oula, ils veulent notre voiture, Ah, bah c'est... Eh ben là, ils volent dans les cieux, maintenant. Allez, hop, ça, c'est à retourner en prison, ça. Trop de balles.
Et comme par hasard, encore quelqu'un de couleur, enfin moi je dis ça. Ouais. Carrément. Non mais monsieur, vous devriez faire comme certains états aux États-Unis quoi, mettre en place une espèce de ségrégation envers les races quoi. Ça a jamais aussi bien marché hein, dans d'autres pays hein. Notamment, bon je vais pas revenir sur le passé mais... Putain. Par contre ils ont niqué ma bagnole hein. Comment ça se passe pour le dénouement? C'est qui les trolleurs? Il m'a pété le carreau. Le trolleur, bah... Il est arrivé là à l'instant, il a essayé de nous écraser. Là, il vient d'Altaf 4. Putain, c'est arrivé. Ouais, Enfoiré, quoi. Ou alors, il a été est-ce que je pourrais m'entretenir avec vous, s'il vous plaît? Il a été tué? Oui, moi je l'ai tué pour essayer de l'attraper, en fait, ce qui fait que de bouger depuis tout à l'heure. Ok, attends, j'allais voir à l'hôpital. Ouais. Ok, d'accord, le mec, il arrive. Ah, d'accord, ouais, la personne, il nous a fait une Sangoku. Oui, du coup, par contre, monsieur l'agent de police, comment on fait pour le dédommagement du véhicule? C'est parce que là, vous m'avez pété le carreau. Ouais. Vous m'avez pété le carreau. Attends, qui s'est fait péter le carreau, j'ai envie de vous dire, ça sent pas la pièce de France et Carglass, là. À mon avis, là, on est plus sur le gros tube à injection. Parce que là, vous avez quand même vidé. Oui, effectivement, c'est mon véhicule, donc j'aimerais carrément un dédommagement, en fait. Oui, c'est lui, il est transporteur, ouais, il fait du VTC, c'est lui qui nous a ramené ici. Vous avez les papiers du véhicule, monsieur, s'il vous plaît? Effectivement, j'ai les papiers du véhicule, ils sont dans la boîte à gants. Cadet, je voulais dans parce que je ne suis pas dans service. Non, mais on est où, là? No way, vous allez carrément me rembourser, en fait. C'est pas à nous de vous rembourser. Attendez, c'est qui a vidé le chargeur d'M4 dans le siège, hein? Moi, je m'en bats les couilles. Monsieur, comment vous faites pour discuter avec vos collègues, vu que vous êtes limité à 3 mots de vocabulaire à peu près, là? C'est quand même bizarre, compliqué, votre histoire, non? Bah écoutez, si vous n'êtes pas content, je vous invite à... Ouais, voilà, c'est dur de trouver monsieur, les mots. Hein. C'est juste que le sujet est vert, mais après, le complément, ouais, ça avance. Ouais, le complément, ça bloque. C'est un peu, c'est direct. Si vous n'êtes pas content, allez plus loin, c'est tout. Je pense que vous devriez nous donner votre plaque, on fera un meilleur... Monsieur l'agent. Si t'es pas content, monsieur l'agent. Monsieur la liste Amorakai, là, si vous pouvez aller plus loin. Oh non, juste, mais regardez, il a volé le véhicule, là, le monsieur, là. Et il m'a, en plus de ça, en fait, si vous voulez, il m'a pris en otage. Et là, j'ai réussi à sortir quand on est arrivé devant. T'inquiète, on va l'attraper. En général, les mots qui sortent de ce genre de personnes, ça peut s'avouer. Oui, je sais pas si vous voulez faire confiance, quoi. Vous êtes sûr que vous avez les propos que vous dites, monsieur, là? Bah écoutez, moi, monsieur, je vous dis juste ce qui m'est arrivé, donc après... Je fais pas confiance à une personne qui a un médaillon qui touche à son pénis, je vous le dis, moi. Monsieur, c'est un peu raciste ce que vous dites, par contre, là. Non, mais parce que j'ai déjà eu affaire à ces gens-là, pourquoi vous dites ça, monsieur? On les connaît, hein. Espèce de putain. Eh, c'est marrant, là c'est dans votre coutume, vous faites les cheveux comme ça, c'est quoi? C'est du... Attendez, je peux toucher, c'est quoi? C'est du creepy? Ouais, alors monsieur, c'est pas parce qu'on fait ça que... qu'il faut... Eh, c'est Sean Paul, ça. Eh, die, boy, die, amadigado, die. Je connais ça, c'est de la musique de votre pays, ça. C'est le raga dancing. Ouais, mais vas-y, commence pas à parler de mon pays avant que je te... T'as vu? Pourquoi, c'est quoi ton pays? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Vas-y, parle bien avant que je te casse ta bouche. Tu commences toutes tes phrases par vas-y, c'est parce que tu veux que je vienne dans ton cul et que je me finisse dedans? C'est quoi du c'est qui voulait parler avec moi? C'est moi, monsieur le papillon, s'il vous plaît. S'il te plaît, arrête de parler avec moi. Ouais, c'est ça, allez, regarde tes baskets, là, tu les as achetées en Chine, c'est ça? J'ai pas ton âge, papy. Oui, c'est ça, allez. J'ai pas ton âge, papy, je vais te mettre une claque, tu vas dormir. Oui, écoute-le, lui. On va lui réexpliquer l'histoire, et ici, c'est nous qui dominons, quoi. Tu comprends? Ici, on est inférieur à toi. On est supérieur, je dirais même, oui. Mais non, ça devient inférieur. Allez, papy, je vais bien être dans une position inférieure pour que je te fasse ça, éventuellement, mais je sais pas si t'es ouvert d'esprit, quoi. Allez, vas-y. Non, je suis pas ouvert d'esprit, moi. Bah voilà, alors, tu vas rester en dessous. Ouais. T'inquiète pas, papy, arrive derrière. Allez, dégage. Écoute, si j'ai un conseil à te donner, je vais être très sympa avec toi, d'accord? Bon, juste vas-y, casse-toi. Non, mais je te le dis sympa. Toi, t'es le genre de mec qui fait... À côté des blancs, parce qu'il doit avoir un peu d'argent. J'essaie juste de calmer les ardeurs. Va voir là-bas. Si je peux te donner un conseil, d'accord, c'est être soumis comme ta mère, comme quand on l'a pris hier et qu'elle était attachée au corps, d'accord. T'es bien soumis, là, d'accord. Et voilà. La violence n'arrangera rien au fait que tu sois à détraquer. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, c'est fini, c'est gagné. Aïe, bon, là, on a gagné. Plaît, merci, ouais. J'ai rien de dangereux sur moi. Ouais, tu vois, à partir du moment où il y a de la violence, c'est qu'on a gagné, quoi. Ah, regardez-vous. Aïe. Bravo. Vas-y. D'autant trois mouvements, c'est mis en égo, c'est géré. Ah, bah, des singes maîtrisés voilà, par un singe. Voilà, reste près de l'arbre, comme ça, ici, c'est un endroit caca de chien, voilà.
faire un ben voilà, ben comme ça, il va devoir répondre ses accusations. Je sais même pas si je vais prendre le temps de porter plainte contre ce Goliot. Si vous voulez porter plainte, monsieur, vous pouvez porter plainte, monsieur. On va m'expliquer ce qui se passe ici. Oui, d'accord. Attendez, je vais parler à mon ami, je vais savoir si... Bonjour, Jackie. Bon, Jackie, il y a le noir là, qui a été meloté. Ça va, là, monsieur? Ça va aller, monsieur? Il est parti où? Cadet? J'ai mal à la tête. Je vous laisse embarquer le monsieur. Oui, procédez, s'il vous plaît, Cadet, à l'arrestation. Ouais, pour une fois qu'il va faire quelque chose de bien, lui. Décalez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, par contre, s'il vous plaît. Je vais essayer. Allez, Cadet, allez, Cadet. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît, monsieur, par contre. Allez, Cadet. Allez, voilà, mange l'arbre un peu, voilà, ça va faire du frontif. Allez, super, Cadet. Vous le mettez en GAV. Hein. Beau travail, Cadet. Pourquoi garde à vue, monsieur? Monsieur, en orange, là, qu'est-ce qui vous arrive, là, par contre? Beau travail, Cadet. Pourquoi, monsieur, en garde à vue, là? Pourquoi, monsieur, vous avez tapé trois personnes? Non. C'est inadmissible. Ouais, attends, je suis en train d'hésiter si je porte plainte contre ce con. Attends, je vais réfléchir. Attends, écoute-moi, le noir, je sais pas comment tu t'appelles. J'aimerais savoir, est-ce que j'ai une bonne raison de pas porter plainte contre toi? Monsieur, est-ce que vos droits ont été cités? Je suis avocat, monsieur. Désolé, je suis un peu sonné. Là. Attendez. On lui a pas encore dit ses droits, monsieur, parce que nous. Alors, j'exige que ce monsieur soit relâché immédiatement. Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur? Bon, il est bourré, lui. À mon avis, il a pas l'air de tenir compte. J'exige immédiatement la libération de mon client. Cadet, non, si lui est avocat, moi je suis stripteaseuse dans un bar. Cadet, descendez en bas, dites-lui ses droits, s'il vous plaît. Cadet, maintenant vous restez là. C'est quoi ce guignol, là? Première sommation, deuxième sommation. C'est des menaces. Monsieur, veuillez coopérer ou sinon vous allez avoir affaire à moi, monsieur. Circulez, s'il vous plaît. Vous entravez. C'est des menaces, ça aussi. C'est des menaces, ça aussi. On est où? Allez, mais ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais piloter. Allez. On est où ici? En plus, c'est un teint basané comme celui-ci, j'ai jamais tapé dedans. Vas-y. Attention avec ton taser, on t'a vu, toi. On n'est pas en ville ici. Monsieur l'officier, procédez à l'arrestation de ce guillot. Je pense qu'à mon avis, mais tu te prends pour qui? Mais pour qui tu te prends, oui, toi? Je vais sortir du commissariat, je n'ai rien à faire. Non, c'est un lieu public ici, j'ai le droit d'être ici. J'ai absolument le droit d'être vous ici. Vous avez le droit, si vous avez une raison valable, je crois que porter vous... plainte. Je crois que merci, vous Juliette, avez vas à revoir vos professions, parce que ça ne va pas du tout. Je te fais un chèque comme ça. Il y a plus de 3 vices de procédure, déjà. 3 vices de procédure. On est en train de, oui. C'est qui, monsieur, ce cadet, là? Ah, là, tu le souhaites, le sub. Arrêtez les... Qui, ce vous trouvez qu'il y a une différence de traitement entre une fille et un garçon sur ce live? Non, en je sais plus, pas. Bienvenue, j'espère hein, Juliette, bien que les droits sont très, très voilà, bien. Laissez-la passer devant, les gars. J'espère que rien ne va être oublié. Mais monsieur, vous êtes arrivé en cours. Je ne sais même pas pourquoi vous vous emmêlez. Vous allez même vous emmêler. Est-ce que je peux voir un responsable? Vous êtes qui, là? Vous êtes... C'est moi le plus gradé actuellement. Le responsable de mon cul, là. Vas-y, on t'a demandé de circuler. Non, mais vous, je vous parle pas. Monsieur, au cheveu gris, s'il vous plaît. Non, mais j'espère que vous voyez bien. J'espère que vous avez bien vu ma GoPro sur moi, par contre. Monsieur Orange, venez. J'espère que vous avez bien vu ma GoPro, monsieur. Ta GoPro, tu peux te la foutre dans ton urètre, fils de. Ok, maintenant, tu arrêtes de le prendre les jambes de haut. Ok, alors, monsieur, je souhaite déposer plainte déjà contre cette personne. Bon, j'appelle le gouvernement. Vas-y, défonce-le. C'est une zone safe, grosse connasse, ça va. Allez-y, la pute polonaise, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez y aller sur lui. J'appelle bureau. Voilà. Ils vont finir sur YouTube, ces images. Oh, très bien. Super, vous savez pas qui je suis. Vous savez très bien, pas du tout qui je suis. Vous savez pas qui je suis. Monsieur, allez, vous n'avez pas à être agressif envers cette femme. Elle a essayé de nous protéger, voilà. Allez, j'en ai assez vu dans votre ville de merde. Ça finit sur YouTube. Tu vas rien faire, arrête de nous faire tes menaces là. Ferme ta gueule et circule, on t'a dit. Voilà. Oh putain, elle est en train de prendre cher, la pute polonaise. Monsieur l'officier de police. En tout cas, merci, c'est une belle rencontre. Et c'est la première fois qu'on fait le coup de la avec les dents là. Les dents, je sais pas. Voilà, Jackie, c'est bon, la personne a été. Oui, on lui a mis dans une cellule, c'est GAV quoi. Alors voici ma carte d'avocat, on m'a fait un communiqué. Mais c'est marrant, pour venir défendre le jeune racaillou. Et si moi je suis son père. Effectivement. Alors attendez deux secondes. Pas de souci, on patiente. 02, est-ce que l'individu en bas a demandé un avocat? Alors en bas, on a un spécimen. Il a demandé, d'accord. Ouais, mais bon, je vais porter plein de coups pour lui, quoi. On peut vous suivre? Il est mineur. Hein, bon, monsieur l'avocat, vous pouvez. Vous me suivez juste vous. Ce sont mes compères, hein, vous inquiétez pas. Voici le. Non, une seule personne descend en bas. Non, une seule personne descend en bas. Très bien. Non, mais vous en faites pas, on saura se tenir à carreau. Officier. Monsieur, vous connaissez la procédure, il y a un interrogatoire et je vais le présent, donc... Je vais montrer ce papier.
Alors, je vous ai montré ma carte d'avocat et ça c'est un de mes compères et le père de. Il est en GoPro donc il est en train de streamer. S'entretenir avec. Mais bon, n'allez pas foutre le bordel sur son live. Effectivement, je comprends tout à fait, mais la procédure par rapport aux droits de Miranda n'ont pas été. Monsieur, alors c'est l'avocat de l'opinion, mais moi je suis. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Je vous promets que c'est vrai. J'étais juste à côté de mon collègue puisque je viens d'arrêter un individu que je vais mettre en garde à vue. Il les a lu vraiment 3 fois d'affilée. Et la personne se moque complètement de. Écoutez, de monsieur, est-ce que vous pouvez dire Starfall là, s'il vous plaît, pour être sûr que Starfall vous. Starfall là. Écoutez, monsieur, soyez okay. un petit Nico peu. Un Nico Mook également pour ponctuer la fin, s'il vous plaît. Tu m'as dit quoi? Un Nico Mook également, s'il vous plaît. Attends, il y a un. C'est bon, Johnny, mec, c'est bon. Eh ben, il a des guerpilles, bon, si c'est possible. Un père de famille et un oncle assez énervé envers, de, envers leur. Ah, ouais, ben, joueur! La moindre des choses. Oui, vous faites péter les oreilles. Allez, venez, monsieur. 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 Moi, j'aimerais bien aller voir en bas aussi. Bon, on va y aller. Hein. Pourquoi il descend? Non, non, monsieur, sortez. Il est complètement bourré. Monsieur, c'est moi la victime dans l'histoire. J'aimerais porter plainte. Vous avez à aucun moment voulu faire l'interrogatoire, c'est le protocole. De toute façon, demandez à l'avocat. Suivez-moi, vite. On y va. Venez m'attraper les trois en bas, on va les choper, ils sont vraiment tous. Il est où? Messieurs, revenez là s'il vous plaît. Messieurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, attends, je vais leur dire. Attendez, il y a l'officier qui vous parle. Restez ici. On va directement. C'est pas sérieux là? Ah non, mais toi, c'est celui qui m'a tapé sur la gueule, toi. Comment on se retrouve alors? Tu nous as tapé dessus, on va pouvoir procéder à l'interrogatoire là bientôt là. À cause de toi. C'est quoi toi? Vas-y, nique ta mère pour voir. Tu me parles autrement, je te le dis. Retour, fils de pute. Vous êtes avocat? Ouais, je suis en train de lécher ta mère. Oh, c'est de la bave de noir, ça. C'est un petit goût de manioc. Tu vas rien faire, allez. Commence à pleurlicher au fond de ta cellule, connard. Non, vas-y, je reviens là, je vais dans ma tête. T'as plus que ta main pour te pougner toute la journée, fils de. Je reviens, je vais fermer. Tu vas jouir du sang, alors ta gueule. Ouais, je ferme les yeux, fils de pute. Ne me parle pas sur ce ton, tu peux. Hey, t'es en train de te saboter. Je peux encore te sauver la mise. Vous pouvez remonter, s'il vous plaît, une fois. Ouais, non, mais c'est pour peut-être. Je vais parler avec lui pour peut-être retirer ma plainte. Attendez. Oui, moi je vais le finir par le buter, le gosse. Ça fait deux fois qu'il finit ici. Moi, je peux plus. Sa mère, elle me casse les couilles tous les jours. Attends, il est où? Qu'est-ce que je veux que je fasse, moi? Jackie, il est où? Il est où? Attends, il est au fond. C'est invivable. Moi, j'ai sa mère au téléphone tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les deux là, vous deux. Suivez-moi, sinon ça va très mal finir. Il est ici. Bon, écoute, j'ai déjà fait de la médiation avec des jeunes. Écoute ton papa, là, c'est bon, hein? Écoute, je sais que ça n'a pas été facile au final que ta mère elle se mette avec moi, d'accord? Mais il faut savoir que quand même sexuellement on est très compatibles, tu vois ce que je veux dire? Quand je l'ai connu, je l'ai ramassé dans le caniveau. L'héroïne depuis, c'est fini, déjà c'est le point positif. Le sida, c'est bon, c'est fini, elle l'a plus. Moi je l'avais déjà chopé, je peux plus l'avoir, on est tranquille. Le stérilet, bon, il s'est infecté, mais ça c'est pas grave, du coup on a eu l'autre gamin. T'as un frère, tu devrais être content quand même. Puis je veux dire quand même, un frère comme ça, bon, il lui manque peut-être les bras. Mais je veux dire, ça a été plus facile pour l'éjecter de la grossette de ta mère. Donc déjà, ça, c'était le point positif. Tu vois ce que je veux dire? On a quand même passé un bon moment avec ta maman. Moi, maintenant, je veux bien t'éduquer. Hein, mais le problème, c'est que si tu commences à faire des conneries tout le temps, moi, il y a un moment donné, je vais pas pouvoir assumer, quoi. Parce que je peux pas bosser la journée et m'occuper de tes conneries le soir. Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes en entretien, messieurs. Oui, c'est bientôt le protocole. Donc, tu vas vite t'excuser auprès de ces policiers qui font leur travail. Et après, je te ramène à la maison. Mais la prochaine connerie, je leur dis, ils te butent. C'est la fédérale. Parce que moi, je peux pas être derrière ton cul tout le temps. Est-ce que tu comprends, ça, putain de merde? Oui, papa. Non, rien, ok. On n'a pas entendu plus fort. Allez, tu vas t'excuser auprès des policiers tout de suite, là. Et on y va. Allez, tu vas t'excuser. Allez. Tu t'excuses. Pourquoi est sorti de cellule, lui, déjà? Excusez-moi, monsieur. Non, tu le regardes dans les yeux et tu t'excuses. Oui, et tu développes un peu un vrai plus excuse-moi d'avoir... Excuse-moi d'avoir volé un véhicule, d'avoir fait une course poursuite, d'avoir roulé... J'aime bien éduquer les piches comme ça, c'est marrant, c'est mignon. Très bien, monsieur, mais vous allez finir votre garde à vue, bien évidemment. Ça, c'est embêtant, sa mère va me casser les couilles, on peut peut-être s'arranger. Il reste... Non, il n'y a pas d'arrangement, monsieur, il est retourné en garde à vue. Bon, 3 minutes, ça va. On t'attend dehors, d'accord? D'accord, papa. Et tu restes poli avec les policiers, sinon c'est moi qui leur dis de te buter ici. T'inquiète.
Allez. Oh non. Allez, bon, tu restes calme et on te récupère en haut, hein, fiston. Ouais. Casse les couilles, ce môme. Hein. Il y a quelque chose que je comprends pas, il est quand même un peu plus mat de peau que toi. T'es sûr qu'il est de toi? Ah non, mais c'est pas le mien, c'est mon beau-père, moi. Ah, ouais, c'est pas le mien. Tu vois, c'est pour ça que ça leur fait du bien, des fois, d'être éduqué par les... si je puis dire, les homos, quoi. Non, parce que moi, c'est juste que je viens de la Californie au départ, c'est pour ça que je suis bronzé. Hein. Ah, d'accord. J'ai rien à voir avec ces mecs-là. Bon, ouais, voilà. Ouais. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup de votre professionnalisme. Ouais, avec plaisir. Sans rancune. Bon, bah, j'espère qu'il ira dans le droit chemin. Ouais, ton gosse, Jackie. Il faut qu'on lui trouve un boulot. C'est surtout ça. Je pense que ce soir, si vous voulez m'aider, bon, on se connaît pas beaucoup, mais si vous voulez m'aider à sauver la vie d'un gamin. Et sauver la vie, parce que moi, sinon, je pense que je vais buter sa pute de mère hein, pour avoir enfanté un enfant de pute pareil. Voilà, je serais preneur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il faut pas avoir cette réaction, c'est bon. Et, peut-être qu'elle est pas si responsable que ça. Et, ouais, elle est complètement perchée. Ou, je sais pas, je connais pas sa vie, mais. Parle pas à chaud, Jackie, tu vas le regretter. Oui, pour délaisser un gamin, peut-être qu'elle a des soucis dans sa vie, quoi. Vous êtes séparés, c'est ça? Vous êtes séparés avec elle? Ah non, non, je me la coltine toujours, parce que là, j'ai plus les sous pour me casser, là. Là, c'est fini, là. Je l'ai fait arrêter la dope pour pouvoir récupérer le budget dope pour pouvoir me remettre à l'alcool. Malheureusement, là j'ai des petites crises de foie, donc j'essaie de mettre un peu à stop, tu vois. Mais bon, je passe le budget dans les putes quand même, ça c'est important. Non, non, j'ai pas 10 000 pour boire de l'eau, c'est à 5 heures. Quelle vie, hein. Vous noyez un petit peu vos chagrins dans l'alcool. Ouais, je peux pas dire ça non plus. Mais... j'ai pas de chagrin, hein. De toute façon, la vie est une pute, il vaut mieux la baiser avant qu'elle te baisse, de toute façon, elle finit par... te baiser, hein, donc... Oui, je suis complètement d'accord, ça, c'est vrai. Ah, vous aussi, vous avez l'air d'avoir un sacré vécu. Au vu de votre gueule, je pense quand même que vous en avez pris des trains dans la figure. C'est vrai, vous avez encore la chance d'avoir une femme. Moi, elle m'a quitté il y a quelque temps déjà, quoi. Ah oui, bah, ça m'étonne pas. Une seule histoire de violence, conjugale. Ah, encore la fameuse, j'ai pas le droit de fouiller dans ton téléphone, ça, elle me l'a fait une fois, je peux non, te dire. Non, c'est juste une histoire, j'ai voulu tenter un fist-fucking avec mon pied, sauf que le stérilet a sectionné les trompes de Fallope. Ah merde. Moi j'ai pas ce problème là, j'ai deux papas. Étonnant. Pas d'y voyez pas de... Bon, un peu plus enfanté quoi, malheureusement, donc... elle a voulu m'attaquer pour ça et ça a été motif de divorce. Quoi. Bah vous êtes encore là, vous? Mais j'attends mon fils et mon fils, ouais. Écoute-moi bien, demeurez. Parce que la personne qui usurpe en se faisant passer pour un avocat avec une dégaine schlaguée comme vous, hein... Ok, fatigué. Oui, ressemblez plus à un schlag qu'à un maître, je vous le dis direct. Ok, fatigué. Oui, c'est ça, je suis pas fatigué, je te le regarde. Bon, j'ai eu un souci avec cette personne qui a voulu m'agresser, je sais pas ce qu'elle a eu. Il m'a eu une histoire de GoPro, quoi. Eh ben. Ah bah le voilà ton fils, bah, il est tout beau comme ça. Allez, bon, viens fiston, on t'emmène. Allez, tu vas apprendre à me connaître aussi, chou. Eh, c'est tonton Eddy. J'espère, Jackie, tu vas quand même... correction. Ouais. Bon, fiston, raconte-moi, tu les as bien baisés, les poulets, j'espère, là. Ah bon, ouais, au calme. Ouais, bon, bah, okay. Attendez là, j'ai un problème de tête, faut que je fasse un petit somme. Vas-y, en tête, en fiston. Vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain. C'est bon, il est grand. Hein. Je veux dire, à 16 ans, tu sais quand même faire la part des choses. Hein. On a vu encore une voix encore plus mignonne tout à l'heure avec un pitch de 16 ans. Sinon, j'aurais jamais embrassé ma première et... femme à cet âge-là, hein, quand j'en avais 27. Hein. 27 ans? Ouais, le premier 27 ans, ouais. Ouais. Elle avait 16 ans, c'est ce qu'elle disait. Après, j'ai appris qu'elle en avait 13. Mais ça, elle était quand même vachement mature. Ça, on va pas se lui enlever ça. C'est tout ce qu'il avait à cette époque-là, quoi. Attends, comment c'est possible? Attends, 13 ans, il faut un peu s'en rendre compte quand même, non? Elle était très mature, elle était bien en chair, donc du coup, on savait pas trop si c'était les seins ou les bourrelets, quoi. Oui, bah ça, c'est l'erreur classique, ça. On y a appelé la bouteille d'Orangina et je peux vous dire que tous mes potes l'ont secoué, quoi. Ah oui, bah, ça, c'est... oui, c'est sympa. Ouais. Ah, je crois que c'est le taxi. Écoutez-moi bien, vous deux. Oui. C'est vous qui avez voulu percuter mon ami? Oui, qu'est-ce qu'il raconte, le guignol, là? Ok, et il veut quoi, le chevalier bien, si blanc? Je dirais même le chevalier noir, oui. Il veut quoi? Écoutez-moi bien, si vous voulez pas que je vous défonce tous les trois, vous allez descendre en train. Déjà, tu as été un peu fatigué, là. Écoutez-moi, vous avez un problème avec moi?
Récupère ton ami, je crois que vous avez besoin de vous vider les couilles entre vous, vous êtes un peu énervé là. Bah non, sortez de ta mère, tranquille. Tu vas la fermer. Et toi, c'est qui a dit ça là? C'est qui a parlé? Écoute-moi là, dégage avec ta caisse si tu veux pas finir un sang. C'est qui a parlé de maman? Voilà, perds tes couilles, c'est ce que je préfère. Moi. Ah, qui a parlé de maman? Celle-là était bien bonne ça. Et insultez pas les mères, bande de fils de pute, d'accord? Ça commence à suffire ça. Voilà, c'est bien. Allez, vas-y, va faire jouer avec ta bagnole, ça. C'est encore, il s'est fait offrir par ses parents, c'est ça? Encore un fils à papa, ça. Ferme allez, get off my rod, dégage. Putain. Voilà. Les hommes des chantiers, des fois, ils sont. Je dis souvent qu'ils savent pas conduire, tout le temps quand ils sont un petit peu noirs. Oh merde, je suis vraiment désolé. Vous allez le payer très cher, ça, monsieur. Ouais, ça, je vais essayer de rentrer dans ce véhicule pour essayer de le subtiliser. Montez avec moi. Allez, bon. C'est parti, on y va tous les trois. Écoute-moi bien, putain de bordel de merde. Tu vas le regretter. Putain de bordel de merde. Je te parle à Sherpé, là, je vais reporter aux admins, fils de pute. D'accord. Moi, j'ai fait quoi? Ouais, vas-y, tu carquilles, fils de pute, t'as vu? Ouais, écoute-moi bien. Je vais tout de suite sur le Discord, je vais te niquer. Ça parle comment? Gros, ferme ta gueule, je suis en GoPro là, ferme ta gueule. On est en train de monter des scènes là, t'es en train de tout niquer, fils de pute. J'ai l'impression que ça parle chinois, c'est pas moi qui. Je m'en bats les couilles, c'est ta mère qui va parler chinois, t'as vu ce que tu fais sur les serveurs RP là? Tu carquilles tout le monde. C'est une pute, va. Ah, regarde. Ah mais gros, viens là sur Discord en parlant à l'admin. Vas-y, viens. Une tarasse. Hey, je suis en GoPro, tu vas faire quoi, gros? Arrêtez de vous énerver. J'ai des viewers, j'en bats les couilles, gros. Ferme arrêtez ta gueule. Arrêtez de vous énerver, les gars. Petite pute, va. Petite pute. Bah, donne-nous ta bagnole, alors. Petite pute. Et gros. Oh, Jean-Kevin, calme-toi. Eh, oh, tu te calmes, tu baisses. Bon, écoute-moi, le conducteur, je te mets un ban ou tu continues à carquille? Tu baisses dans ton garçon. Ah, t'es là, modo, t'es là? Ouais, je suis. C'est qui a fait le ticket 47-48? C'est qui a fait le ticket? Ah, c'est nous à l'instant là, c'est pour Carkill, ouais, c'est ce gros monde. Très bien. Ouais, qui a fait Carkill? Ouais, c'est le gars, la chemise bleue là, c'est lui. Moi, d'accord. Le conducteur, c'est lui que je banne? Ouais, c'est lui, ouais. Mais j'ai rien fait du tout. Mais j'en bats les couilles, gros. Excuse-toi, t'as quoi à défendre alors? Vas-y, parle maintenant. Calmez-vous. Maintenant, tu parles chinois, sale bâtard. Parle chinois maintenant, fils de chien. Parle chinois maintenant. Quand même, ils sont assez méchants, le mec qui m'a parlé. Il m'a dit. Dégage de là, sinon je te mets un ban là. Va à droite. Mais j'ai rien fait. On va parler calmement. Écoute, je m'en fous. C'est carton de la scène, juste qu'on parle. Ouais. On va parler tranquillement. Pas de soucis. Montre-moi ta conduite RP. Pas de soucis. Je te merde. Toujours des fils de pute. T'essaies d'être tranquille pendant le confinement. Y'a toujours un fils de pute pour te casser les couilles. Espèce de grosse pute, va. Calme-toi, sinon je te mets un kick aussi. Bon, mais nique ta mère, toi le modo. Nique ta mère. Oh putain de bordel de merde. C'est comme ça. Bon vas-y, descends la bagnole, descends la bagnole. Moi je suis sur les nerfs. Putain de bordel de merde, calmez-vous. Bon, chemise bleue, je t'écoute, il s'est passé quoi? Alors moi je t'explique, en fait je suis passé j'étais quand même arrêtez, les gars. À une assez grande vitesse, une vitesse d'accord. Assez conséquente. Et tout d'un coup, j'ai vu les trois jeunes individus insultants envers ma personne qui m'ont insulté ma maman. Du coup moi je l'ai pas pris à la légère. Je suis quand même resté correct. Je suis parti et je suis revenu à grande vitesse, sans en faire exprès, je précise, bien sans en faire exprès. Je l'ai percuté, je me suis excusé après. Le monsieur, il est rentré dans ma voiture et il m'a dit, oh fils de pute. Et il m'a dit, je cite, ouais, je te parle, HRP, je reporte, je sais pas quoi, il m'a parlé chinois. Moi, j'ai pas compris. Ok, j'ai pas du tout ce ticket-là. Moi, on m'a appelé pour un carkill et aussi des attouchements. Quoi? Tu m'expliques? Ça c'est pas moi ça. Ouais, ce fils de pute va t'aller toucher tout à l'heure le mec à côté de toi. Non, mais déjà tu parles mal quand t'es arrivé, pourquoi t'insultes? Parce que il y a un jeune de 11 ans sur le serveur, apparemment il a été. Alors les ça c'est pas moi. Ça c'est les pas moi. Ah, c'est celui qui joue mon fils là, sale bâtard va. Quoi? Pourquoi tu parles comme ça des mineurs? Ouais, j'avoue, pourquoi tu chauffes des mineurs gros? Pourquoi tu chauffes des mineurs? Mais qu'est-ce que vous sale m'racontez? Sale porc, va, je vais te reporter même goût. Non mais gros, j'ai vraiment je suis en live sur Twitch, j'ai tout enregistré, je fais ça au bout. Calmez-vous, je mets un ban général. Vous me laissez parler. Écoutez. OK. Ferme-la toi. Écoute, je vais pas me prendre la tête deux secondes avec vous. Je te le dis, chemise bleue. Tu refais des trucs pédophiles sur des mineurs, c'est un ban ferme. D'accord? Et moi je signale tout de suite de toute façon le serveur. Moi j'ai une question en fait. C'est comme le monsieur il est en rec, est-ce qu'on peut regarder si c'est bien moi? Pourquoi tu parles? Moi je vais te dire une chose. T'es une sous-merde, le seul truc qu'on va regarder en règle, c'est la sextape de ta mère, fils de pute. Bon, attends, par contre là, regarde, écoute frère, j'ai 15 ans, maintenant si comme tu dis, je fais des attouchements sur des mineurs, fils de pute, ouvre ta mère et monte ton règle et ferme ta gueule. Fermez-la. Bon, ok, voilà, on va voir. Je vous dis, les gars, t'as quoi déjà comme arme sur toi? T'as des armes sur toi? Mais j'ai pas d'armes sur moi, j'ai pas d'armes. Je sais pas, il faut qu'il s'écarte, faut qu'on bute, faut qu'on l'écrase. Si il y aurait eu des armes, tu serais déjà mort, espèce de trou du cul. Et toi, je te mets un ban si tu dégages, je te laisse deux.
C'est mon pote. Ok, donc tu me dis fils de pute, tu vas un ban avec ton pote en fait. Vous insultez, frère. T'as cru on était tes salopes ou quoi? Ouf toi, frère. Viens. Tu veux un ban? Ouais, je suis désolé, moi je me suis énervé. Vas-y, c'est pas grave. Ok, donc non, c'est le confinement là, ça me rend fou. Non, mais par contre, rends la voiture. Non, la voiture, gros confisqué pour défaut d'RP, je m'en bats les couilles. Vas-y, dégage, allez, bolos, allez, casse-toi. La putain de ta grosse mère, la pute, descends, je t'ai dit. Je vous autorise à prendre son véhicule. Ah, merci. Bon, par contre, on repasse en RP. Ouais, d'accord. Ouais, allez, on continue. J'ai les choses qui arrivent. Voilà, on les a remis dans l'histoire, c'est vrai, on s'en sort bien quoi. On peut récupérer ça serait peut-être bien qu'on répare la voiture là, parce qu'on est pas très RP là. Si on peut. Enfin, je vais dire. J'ai bien compris. Allez dans les quartiers défavorisés, apparemment il y a un peu de monde. Vous pouvez me dire à quel endroit ici? Vous pouvez mettre un petit coin. Très bien. Allez hop, lui il va pleurer. Le petit point. Bagnole gratos, là tu vas chialer. J'ai l'impression que c'est bien parti en couille là. Il y a quand même pas mal de monde derrière nous. Exactement, bon, il a raison, il faudrait peut-être réparer la voiture avant. Attention, il y a des flics qui poursuivent plusieurs voitures qui nous poursuivent. Enfin, ça fait beaucoup de gens qui se poursuivent quoi, voilà. C'est ouais. Ce que je veux. Ah, on va y avoir les monstres. On va essayer de se mêler à eux. Bon, à vrai dire, je sais plus où donner de la tête là. Qu'est-ce qui se passe, c'est le bordel? Boum, badaboum, dégadoum. Alors, non, va à droite, on va aller voir les gangs, les violets. Derrière, vas-y, va à droite, voilà. Encore à droite. Et à la station d'essence, à gauche. Gauche, t'as bien dit gauche, voilà. Et là, à droite. Voilà. Et à l'intersection, tu iras directement sur ta gauche. Pas celle-ci, la prochaine. Pas sûr. Voilà. Alors. Ah bah c'est notre fils, ça. Effectivement. Oh. Ouais, c'est toi, c'est ouais, papa. Ouais, chez nous, oui. Ah, vous faites quoi ici? Bah on vient te chercher, fiston, et je t'ai libéré de prison. Et j'espère que tu te fais pas mal influencer par ces gens des gangs, hein, je te le dis, fais attention à toi. Ici? Ouais. Oui. Je suis avec eux, vous inquiétez pas. Ah, c'est vrai, est-ce que tu peux nous faire rentrer ou pas? Ouais. C'est qui le gars en voiture noire là? Est-ce que tu es armé? Non. Très bien. Et vous? Et est-ce qu'il y a un code couleur? C'est ça, il faut respecter. Vous connaissez le gars en voiture noire? Non. Attends, Léon. Non, le tabac, c'est bon. Ouais, on le tabasse, ça c'est mon vous fiston, ça j'aime bien. Tu veux qu'on le tabasse? Ouais, il faut aller tabasser là. Tu veux des sous? Sors ton véhicule. Il a l'air efficace ton fiston, en tout cas il a vraiment de l'emprise, hein. Il est autoritaire. Ouais, il a la bonne école. C'est bien fiston, je suis fier de toi. Si, ouais. Si ta mère était pas en train de faire la pute à cette heure-ci, je peux te dire qu'elle te regarderait des yeux doux, elle dirait ça c'est mon fils. Vous êtes armé vous? Ah non, là, moi je suis pas armé, moi je maîtrise simplement l'art du brèche maga quoi. Vous avez assez d'argent pour vous en acheter? Allez, j'ai que 1000$ en liquide en poche, ouais. Ah, tu as combien d'argent toi? Bah, actuellement j'ai 1000 en tout, mais j'ai encore une amende de 20 000€ à payer. Non, ça compte pas dessus, je me suis arrangé avec la police, y a pas besoin. Il a donné le sapeur seul, ouais. Ouais. Ouais, tu peux me remercier, fiston. Hein. Merci. Et dis-moi, c'est quoi ton prénom déjà? Ryan. Ryan, tu es de quel bord? Comment ça? Bah, de bord. Ton orientation au niveau du Zizi, quoi, tu vas vers où? Est-ce que tu me trouves plutôt attirant ou. Ouais, par contre, t'as quel âge toi, parce que. Fiston, tu peux lui fracasser la gueule, hein. Moi je supporte pas les PD comme lui, hein, je te le dis sincèrement. Hein. Voilà, bah, c'est bien envoyé ça. C'est bien. Allez. Ah, calme-toi quand même, ça reste un être humain, même s'il a des lacunes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Arrête, fiston, n'en fais pas trop. Aïe, mais fiston, putain! Elle tape pas ton père, eh. Merci Flo pour le l'abonnement, putain. On est observé sur le toit. C'est qui? Tu me pointe pas du doigt, tiens. Arrête, putain, il m'en a mis une.
Attends, me dis pas qu'il y a la moto. C'est qui ça là-bas? Me regarde. Là, en face. Qui c'est le goyot là-bas? Arrête. Mais arrête, il tape pas. Il tape pas. Arrête. Génial, lui. Bon, présente tous tes amis là. C'est qui le mec au fond là? C'est un ami à toi ça? C'est un ami à toi au fond là ou pas? Au fond de la raquette là. Là, non, regardez sur le toit, juste là en face. Dans la direction. Il rentre, je sais quoi, une genre de sentinelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah lui, ouais. Attendez. Mais il est totalement con ton fils. Et oui, c'est bien pour ça que c'est pas mon fils, c'est mon. Voilà, c'est celui de ma femme quoi. Ah d'accord, il tape directement les. D'accord. Il a l'air d'être très violent quoi, il faut vraiment le cadrer. Il a pas eu une enfance facile, enfin vous connaissez le dicton, père alcoolique, mère droguée, enfin bon. Est-ce qu'il voulait qu'on aille voir les gangs un petit peu plus loin? Ouais, il faudrait qu'on l'emmène avec nous, qu'on endurcisse un petit peu. Bien. Moi j'en vois plus, je vois plus de personne là. Ça c'est bien envoyé, ça c'est une bonne blague, on s'est bien marré. Viens, allez, on se casse maintenant. On va où? On verra, on va aller voir des méchants là. Des vrais, des pas comme méchants. Toi. On va t'endurcir un peu, t'es un peu fiotte là. Ouais, il est pas mal ce petit serveur. Allez, dis-le que t'es pas un PD, on est des PD nous. Ah non. Allez, dis-le, je suis pas un PD. Je suis pas un PD. Voilà, c'est ça, c'est mon fiston ça. Non, je vous permets pas quand même, devant moi, s'il vous plaît, un petit peu de respect. Oui, ça va, oui. Oh. On peut être un PD ou c'est un bonhomme, hein. Oui, c'est ça. Et comme disait certains philosophes algériens, les vrais hommes baissent des hommes. Ouais, je ferai pas de commentaires. Oh. Ouais, vous êtes qui vous? Ouais, vous êtes qui vous? Parlez affaire avec le OG. Okay, vas-y. Attendez là, 2 minutes, il y a un problème. Ouais, c'est qui ça? On vient parler affaire directement avec l'OG. C'est la compagnie créole ici ou quoi? Je sais pas. Yo, les manifs passent quoi ici? La compagnie créole. Eh, vous faites quoi ici? On est venu parler affaire avec le. Des gros enclivés. Non, attendez, on vient prendre notre dose, c'est bon les gars, on est. Non, mais les manifs. Les man. C'est qui vient dit campagne créole? C'est bon. Sur mes morts, c'est quoi ce schlag? C'est l'autre qui est parti. C'est bon, c'est quoi, c'est pas mon père, toi? Ouais, c'est vrai, ça a bien dit, fiston. Fiston, on va leur défoncer la gueule, là. Ouais, on arrive. Oh là, mais arrêtez de sortir les armes, les gars, on a rien fait. Non, mais... Le muscle, c'est le muscle sans face, ouais. Alors, excusez-nous de vous importuner dans votre quartier. Non, mais c'est surtout que avant que vous arriviez là, il y a eu un truc pas très bien. Ah, oui, d'accord. Alors, nous, on est des mecs cool, tu vois ce que je veux dire. Oh, mais y'a pas de soucis, monsieur, y'a pas de soucis. J'espère que ton fils il est collé parce que sinon, il est dans la merde. Hein, parce que faites pas attention à mon fils, hein, il est un peu virulent. Hein. Vous inquiétez pas. Ça, te colle pas à moi. Te colle pas au OG, toi, je te prends une balle dans la tête. Ah, d'accord. Qui est l'OG? On aimerait parler à faire. C'est moi. Bon, écoutez, on va être très clair directement avec vous. Votre petit trafic là que vous faites dans le quartier, vous devez avoir pas mal d'argent sale. Ouais. On a une société, on peut directement blanchir votre argent. Combien de pourcents? Ah ouais, c'est quoi ta société? La société? Ouais. C'est la Blanchka. C'est quoi ça? C'est une petite usine dans le nord. Est-ce que vous voyez une usine de poulet? Écoute, vous avez les droits ou pas? Merci Bada. Si la comorale vous tombe dessus... Vous êtes mort, les man. Voilà, vous êtes mort. Vous inquiétez pas qu'on a déjà réglé ce petit souci. Ouais, c'est réglé, ça. On s'en est occupé. Ouais, on a des personnes influentes dans le monde. Vous avez l'autorisation des dieux alors pour faire ce jeu? Ah oui, bien sûr. Ne vous fiez pas aux apparences, messieurs. Là, pas de soucis. Combien de pourcentage? Quel était le pourcentage que vous avez avec la gomme? Non, dis-moi toi. Attends, c'est plus compliqué que ça. Ils sont contents. Là, ils kiffent les pigeons. Combien vous les traitez? Non. Ouais, mais non, mais non. Attendez. Les gars, nous, ce qu'on veut traiter, c'est plus d'un million à chaque fois. Ça change de. Donc vas-y, dis-moi, le pourcentage tu prendrais. 40%. Ah ouais, quoi? Vas-y, laisse tomber les gars. Vas-y, non, pas 40%. Merci beaucoup. On va chez la Comora, les gars. Mais vas-y, laisse tomber, nous ils prennent 15%. Vas-y, cassez-vous. On vous prendrait pour 11%. Et parlez pas sur ce ton, les gars, c'est vrai, calmez-vous. 11%. Si vous, à chaque fois, 11%. Si vous ne traitez plus avec la Comora. Attends, j'en peux pas. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, on se fait berner, ouais, c'est vrai ça. Écoutez, messieurs. Ça se voit, on t'a le cul régulièrement. Négro, écoute. Ouais. Écoute bien. Nous, avec la Comora, on prenait 20%. Ils nous prenaient 20%. Si tu nous la fais à 15, on vient chez toi. Ok, 15.
Ah, 15, c'est... Mais fiston, prends pas tes sièges non plus. Hein. Mais allons-y. Non, c'est vrai, on lui a dit de s'endurcir, la gueule. Attendez, les gars, c'est vous qui êtes venus nous chercher, c'est pas nous. Ouais, il a raison. 15%, et vous nous donnez votre parole que vous ne traitez plus avec la Gomorra ? Bien sûr. Ouais, ça va. Ok, c'est vendu. Ouais. Par contre, ça fait un truc. Si vous poucavez. Attendez, les gars. Est-ce qu'on peut s'entretenir avec mes associés un instant, s'il vous plaît ? Eddie, venez. Les gars, si vous balancez au Gomorra contre avec vous, vous êtes mort. Ouais, on va juste s'entretenir un instant avec mes associés. Ouais, Radio, vous avez dit quoi, les gars ? Bien, fiston. Ouais. Fais quoi ? On fait quoi? Je sais pas si c'est bien négocié, ouais, c'est pas. Non, mais il y a le plan, je pense qu'il faut rentrer comme ça à 15, après on bute leur condition actuelle et après on repasse à 30. Vous avez vraiment une entreprise? Ryan, oui, bien sûr. Écoute, ton père travaille dans la. Mais comment ils ont trouvé Spice? C'est qui en fait? C'est un random qu'ils ont, il a réussi à sympathiser avec lui. Mais il est trop fort, Mbappé. Au niveau du plan, sinon on peut négocier. Il a le don pour dresser les piches. Ryan, ferme ta gueule, s'il te plaît, écoute ton père. On peut négocier un 12%? Et leur demander une arme avec. Voilà, t'as tout compris, Ryan, c'est pas mal. Allez, vas-y. Moi, je pense que l'arme va passer pour des branquignoles. Hein. Si on demande une arme, alors qu'on vient de négocier un truc avec. Je sais pas comment, pourquoi on fait confiance à des schlags qui ont même pas de quoi payer l'eau pour leur piscine, putain. Il parle quand même de 1 million cash. Hein. Bon, bah, je vous fais confiance, je vous suis dans cette histoire. Et ouais, si je peux travailler en tant qu'associé, je réponds présent. Hein. De toute façon, j'ai plus rien à perdre, pour vous le dire. Bon, 11%, il y a un petit gun à chaque fois. Non, pas à chaque fois, juste un petit gun là. Et 11% à chaque fois. Je vous explique, c'est que nous, on n'a pas besoin d'armes pour faire du business, vous voyez ce que je veux dire. Actuellement, bien sûr, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure arme. Voilà, mais lui, le petit, il a envie d'une arme. Il arrête pas de nous faire chier pour avoir une arme. Ah, mais petit, une arme, ça fait mal. Si tu veux, je peux te faire essayer, mais. Oh, vas-y. Tu vas te blesser. Non. Non, mets pas tes empreintes dessus. Vous avez de l'argent? Pourquoi t'as cru que je vais faire quoi avec? Ouais, j'ai un peu déjà, vous avez combien à blanchir? Vous avez combien? Soyez franc. Vous avez combien? Bon, Eddie, c'est toi qui as les chiffres, qui est comptable. On a combien actuellement? Ouais, là, on est sur du. Attends, je regarde bien. 1 700 000. Ah putain. 750 000, je crois, dans ces eaux-là. On doit combien aux Chinois? Bon, on devait pour l'affaire. Répète ce que je viens de dire. Ou de quoi parler des finances actuellement, tu sais? Non. Tu dois quoi aux Chinois? Les Chinois? Ouais, c'est qui eux? Écoutez, bon, on est venu négocier avec vous. On ne va pas parler de nos autres clients. Vous avez des problèmes avec ces clients? Non. Un petit peu. Attends, on va pas leur mentir. Ces messieurs viennent conclure un accord quand même. Ils ont été sympas avec vous. Bon, je trouve qu'on a des meilleurs accords avec d'autres personnes. Mais bon, là, c'est pour vrai. C'est un premier jet avec vous, là. C'est un premier jet. En fait, ils ont enlevé le fiston il y a quelques jours et ils ont voulu couper la membrane. Ah ouais. Mais les Chinois ils mangent tout, les gars. Autant être calme sur table avec vous. Merci. Okay. Nous les Chinois ils nous ont mangé. Ils lui ont mangé, Lizzy. En gros, Ryan, tiens ton fils, s'il te plaît. Ouais, je vais le tenir tellement en laisse que, à mon avis, il va rester au bord d'une autoroute dans pas longtemps. S'il continue à ouvrir sa gueule, d'accord? Alors arrête un petit peu. Hein. Tu laisses les grands négocier, après on parle plus tard, d'accord? Les Chinois, on a longtemps travaillé avec eux. C'était d'ailleurs Eddie qui s'en occupait. On a eu un petit souci, une petite altercation avec eux au niveau du fils. Maintenant, ils veulent vous doubler dans le business. Ils veulent carrément vous doubler dans le business. Pardon? On ne vous dira pas comment. C'est qui les Chinois? Ouais, alors je vous explique. Alors, ils ont un gang, ils ont un quartier. Alors, ils ont plusieurs entrepôts dans cette ville, c'est eux qui ont les docks, etc. Donc, moi j'ai des bases et j'ai fait lever 3 Chinois, donc je leur parle régulièrement pour vous montrer un petit peu. Écoutez, tout le quartier, le quartier chinois. Les informations ont un prix. Nous venons pour négocier du blanchiment, nous ne vendons pas des informations directement. Si vous voulez des informations, voyez ça directement avec Eddie. C'est lui qui négociera. Non, mais ce que vous avez pas compris, c'est que en contrepartie, on peut t'aider dans tes histoires. Mais il va falloir allonger aussi. Il y a les Condés. Ouais, mais vous savez que nous sommes en position de force ici. Hein, ouais, rangez, c'est les Condés, rangez. Les Chinois sont très armés. Hein. Ah ouais? Ils ont quoi? Est-ce qu'on peut leur dire? Bah, il dit là, de toute façon, ils vont bien les voir. Vas-y, ils ont quoi? De toute façon, ils ont des véhicules blindés, ils ont de l'armurerie très lourde, quoi. Et ils ont quoi comme arme? Ils ont un camacho. Est-ce que vous voyez ce que c'est un camacho? Non.
Ils ont un Kamacho, c'est un véhicule de l'armée qu'ils ont réussi à faire importer directement. Ils ont reçu des fusils d'assaut. Des ça, SMG. Ils les ont quand les fusils d'assaut? Je peux pas vous dire. Aujourd'hui là? Ça fait un moment. Ok, bah sachez qu'ils vont plus être là, les fusils d'assaut. Eh ben, ils nous ont dit qu'ils avaient le droit de les garder, parce qu'apparemment oui. C'était une mafia. Ah ouais? Ouais. Une mafia chinoise. Ah ouais? Je vais prier pour les dieux. Mais Little Seoul, ouais, c'est le quartier. Ouais. Qui ça? Je vais prier les dieux et je. Alors, attends, un instant. Ouais, juste te le dis, HRP, on a déjà réglé ce truc. On a déjà réglé ce truc, ah ouais, vous inquiétez pas pour les Chinois. Ouais, on a géré ça. Fais abstraction de ça et on continue la scène. Le petit là, c'est comme mais si attends, que... attends, vite fait. Du coup, là, yes. Plus personne a les AK à part eux. Non, ouais, attends, en fait. Attendez, chutez, taisez-vous. Lequel c'est pas droit, tu peux dire à un de tes membres qui laisse parler, s'il te plaît. Ouais, taisez-vous, les gars. L'idée 97. Oh, le jeune, viens voir. Du coup, je disais, ouais, les AK, eux ils ont une AK, il y a les Balas qui ont une AK, vous allez avoir une AK aussi. On va vous rendre une AK. Ah, ouais, collègue à part, et ah, c'est cool, ça qu'il avait une arme, man. Voilà, on peut reprendre la scène. Ouais, vas-y, c'est cool. Ok. C'est 3, cool. 2, que c'est dangereux, ah, ça, ce que ouais. Tu fais. HRP off. Mais t'as quel âge, man? Ouais, donc on en était où là? Il est un peu dissipé, je suis désolé. Du coup. Non, parce qu'il demande une arme à mon collègue. Ouais, et ça au niveau des informations sur les Chinois, tu veux qu'on leur dise? Man, ou... c'est pour ta... ouais, est-ce que c'est bon pour les affaires? On peut leur dévoiler les informations avec les autres clients. C'est pour ta sécurité. Traite, c'est parce que voilà, c'est un rapport de confidentialité, quoi. C'est parce que, regarde. Alors, on demande une arme à mon collègue. Ok, je comprends. Ok, c'est bon, je comprends. Avec les autres, mais c'est pas pour autant qu'on doit les mal considérer, quoi. Ok, je comprends. Normal. Bon, donc moi je vais vous proposer quelque chose. Et en plus, le Grinch, je l'ai vu au moins 3-4 fois, le Grinch. Dites-moi tout. OG, il y a d'autres gens aussi. Ouais, t'inquiète, je capte derrière. J'aimerais bien m'entretenir juste avec l'OG, s'il vous plaît, messieurs. Vas-y. Vous n'y voyez pas. Non, je suis pas droit, je reste là. Awax, vas-y, va. T'inquiète, tranquille. Va voir les deux Yankees là-bas, les casse. Il veut voir toi. Ah ouais? Vas-y. C'est quoi votre prénom à vous, avec la chemise papillon? Je m'appelle Vito. Ok, je vais juste prendre mon bras droit, et vous, si vous voulez, prenez. Ouais, je vais prendre mes associés, on va essayer de. Okay, quand vas-y. Je prends mon bras droit, je vais dire que ça gicle en 5 minutes. Hein. Quoi? Quoi? En radio, s'il vous plaît. Bon, Eddie et Freddy, suivez-moi. Ouais, parlez pas à vous, hein, les gars. Bonne vanne. Attends, on va suivre. Attends, on se fait mener. Les gars, par, c'est quoi le camion qu'on doit prendre? Je pensais jamais qu'un homosexuel allait prendre les choses en main de cette manière. Je suis impressionné. Ah, il paraît. Alors, je dirais pas que je changerais de bord. Jackie. Mais bon, ça montre que le monde évolue. T'es bras droit, bras gauche. Moi, je suis Eddie. Ah, tu le zizi, toi? Bah, attends, on va essayer de te prendre en double peine, alors. Attends, il va garder pas, attends, il m'attend bien. Flippé, ouais. Oh, les vrais zombies. Oh, il m'a fait. Jackie, Eddie. Oui, c'est quoi ça? Oh, c'est failli partir en couille. Pourquoi ça tabasse là-bas? Oh là, y'a. Troller. Bon, troller. Je mets des troller, encore. Slash report, les gars. Et du coup, on se met où? On se met à l'abri? Attendez, il faut qu'on se cache là. Oh, bande de fils de pute là, arrêtez de troller sur le serveur, vous cassez les couilles là. Non, c'est arrêtez bon, de troller buté, putain. Bande de pute, va. Ah, c'est qui les bâtards qui font n'importe quoi là, qui niquent les scènes? Allez tous vous niquer vos races, bande de pute dans ton bus là. Va niquer ta grosse mère, fils de pute, va. Ah, vous êtes tous écroulés. Sérieux, en quoi ça amuse les gens de... Ah, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment des bâtards. De 1... Ah, ça nique les scènes, bande d'enculé là. Arrêtez de niquer les scènes, bande d'enculé là. Niquez vos races. Hop, Lula a été bonne. Dans le bus. Niquez vos races, bande d'enculé là. Pourquoi vous niquez les scènes, bande de fils de pute là? Bah, il casse les couilles, franchement, il casse les couilles. Ah ouais, on avait posé les bases là. Putain, il y avait l'histoire, elle était ouf en plus là. Ah, mais c'est ça qui commence à être lourd sur serveur, frère. Moi, je crois que je vais arrêter ça. Gros, ça fait 3 jours qu'on monte le projet là. Ils ont niqué le délire, ces bâtards, ces fils de pute. Ouais, foutent la mort, c'est incroyable. Surtout que c'était du bon RP là. Ouais, mais d'où vous parlez bien, machin, frère. Ouais, on tenait bien nos persos, je t'ai vu. Ouais, ça fout la mort. Mon père a disparu. Il y a eu quoi, du coup? Ouais, bon, attendez, on va essayer de voir si mon collègue le gay là. Bon, essayez de. L'admin, là. Admin, ouais, tu peux me donner des balles ou pas? J'en ai plus avec ces trollers de merde là. C'est quoi ton arme? Mais tu sais que même moi il m'en faut parce que. Pistolet normal. Ça me rend fou en fait. Pistolet normal. Elle est mal. Attention, écartez-vous les gars, écartez-vous. Ouais, attention, un accident est vite arrivé les gars, attention. J'ai ces bonnes paires, moi, les deux qui voulaient rendre encore kill. Ouais. C'était plus simple, c'était au moins 4-5. C'était 3-4. On était sur une bonne scène quoi. Excuse-moi. Bah ouais, on prépare ça depuis au moins 5-6 jours quoi. Ça fait 5 dans les logs. Regarde dans les logs, j'en ai buté un. Ok. À moi aussi. Il est où Jackie, il est où là? Attendez, les gars, on va reprendre la scène. On était sur une putain de scène. Ouais, mais attends, il faut récupérer Jackie là. Avec des balles.
Putain, ça casse les couilles. Pour les balles, moi je suis pas dessus. Bidou, Jacky. Bordel de merde, t'es vraiment pas. Ah, bah il est là, il est là, bah il faut absolument le récupérer. Putain, une semaine de la retraite, quoi. Putain de merde. On avait l'affaire du siècle, t'en fais pas, on va te remettre sur pied, quoi. Il y a mon fils qui me pissait dessus pendant que j'étais au sol. Papa, donne ton numéro. Et le fiston, là, tu vas te calmer, hein. C'est ton papa, tu le respectes. Ok. Attends. Et Ryan. Tu t'amuses pas à prendre des photos et les mettre sur Snap pour tes collègues, là, ok? Ouais, j'inquiète. C'est normal le gâter là? Non, faut. Ah non, c'est mon père, il est con. C'est bon, il va revenir, vous inquiétez pas. Il arrive parce que moi j'ai pas les possibilités de réanimer. Ah bah c'est bon. Ton papa il est KO et tu rigoles toi. C'est bon, je l'ai réanimé là ou pas? Je l'ai réanimé là ou pas? Non, j'arrive pas à me relever, putain de merde. Muscle G. G. Non, moi je t'ai gagné. Ah ouais, c'est bon, merci. C'est qui le chef? Papa? Ouais. C'est moi. Passe ton numéro. Vas-y, je te donne 15. J'ai pas de numéro. Vas-y, merci. Putain. Putain, ça prend là la tête. Ouais, t'es d'ancien d'école, t'es un tom-tom toi aussi. Ouais. Moi j'ai un beeper. Reculez les gars, reculez tout. Oji, il y a un mec qui veut te parler là-bas. Ouais, Julie, je finis vite avec les gars bizarres derrière là. Il faut absolument qu'on reprenne un peu de négociation. À ton fils qui ferme sa gueule de temps en temps. Ah merci, ouais. Mais j'ai pas de carte SIM, guignol. On s'en fout. Ouais, les mains. Ouais, c'est bon, on peut reprendre la scène. Ouais, vas-y, désolé frère, vas-y. Ouais, t'inquiète, juste, attends, juste. Ah gros, je te le dis juste, ouais. Quand on essaie de tenir une scène, qu'il n'y ait pas tout le monde qui parle en même temps dans tes membres, tu vois. Ouais, ça casse vrai. Le truc, ouais, ça casse le truc. Normalement, t'es OG gros, ils doivent te respecter, ils doivent fermer leur gueule quand tu parles. Ouais, t'inquiète. Vas-y, ouais, fais frère, mais plus d'autorité, quoi. N'hésite pas à leur dire, ouais, ferme ta gueule. Mais t'es sur GTA, là. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Sérieux, bon, quoi dis, tu, ah, il est en train de parler à sa femme, attends, on y est, il attend deux secondes. Te caresse, papa. 30 millions 5. Ouais, je grosse ta femme qui parle. Excusez-moi, ouais, la maison, ils sont en train en ce moment avec le confinement. Ouais. On y va quand? Ah, la scène va commencer, préparez-vous. Ok, ça roule. Remettez, vous étiez où, vous? Remettez à l'endroit où vous étiez. Je sais plus, j'étais où. On était là-bas un peu, non? Va avec eux. Ouais, toi, t'étais vers où? Non, c'est GTA, c'est pas GTA où. C'est GTA ici. J'étais là, moi. Vas-y, reste, les gars, vas-y. Allez, c'est parti, ouais. Ok, c'est parti. Vous étiez où? Placez-vous, on était où exactement? Ceux qui sont papa, comment je fais pour te recontacter après? T'inquiète pas, je te trouverai. Ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir un fils comme ça qui me la tienne, pendant que je fais pipi. C'est bon, les gars. Tu vois, c'est le genre de. Ouais, on en était où les marques? Attends, je te la tiens. Vas-y, bouge pas. Ryan, on va repasser en mode RP. Ryan, tu la tiens, vas-y, quand il fait pipi, ton papa, c'est important. Bon, vous êtes prêts, les gars? Ouais, c'est parti. 3. Parlez par radio, les gars, s'il vous plaît. 1, HRP, off. Voilà. Ouais, les man. On s'est entretenu directement. T'en rapproche pas trop de moi. Avec mes associés. Recule un petit peu. Écoutez, moi. Vous, je pense que vos ambitions, c'est de devenir les plus puissants de la ville. Actuellement, je vous cache pas que les Chinois sont devant vous. Ah ouais? Bougez moi. On peut pas vous dire. Il y a des gens dans le Nord qui sont très puissants. Parlez pas, s'il vous plaît. Bon, je vais m'énerver. Je vous ai pas dit quelque chose tout à l'heure Ouais, écoute, on t'a dit de écouter ton chef. Ah, tu vois que c'est pénible. C'est très pénible. En plus, il fait beaucoup de bruit. Il va l'embrouiller. Bon. Écoutez, on va faire des négociations. Par rapport au blanchiment d'argent, on part sur un 15%. Est-ce que jusqu'à là, on est d'accord? Ok, jusque là, ouais, c'est bon, je suis là. Très bien. Écoutez, par rapport à une certaine logique et par rapport à nos certains clients qu'on doit quand même respecter, on partirait sur 1 million par semaine blanchissable. Est-ce que ça vous va? 1 million par semaine seulement? Tout dépend. D'abord, il va falloir montrer votre loyauté envers nous. Écoutez. Ici, là. C'est 1 million par soir. Ah ok. Ah oui d'accord, actuellement, c'est quelque chose qui marche bien chez vous. Oui. Tu vois? Il faut voir directement avec Eddie. Est-ce qu'on a la possibilité de leur faire 1 million par soir? Au niveau des finances. Attends, je vais regarder. Si 1 million par parce jour, que les gars, je vais c'est pas vous mentir, le souci c'est qu'actuellement les Chinois nous prennent 2 millions. Par soir? Par soir. Fils de pute. Carrément. Donc si vous voulez doubler les Chinois, il va falloir faire un petit geste envers nous. Nous, mais écoute, attendez. Vous me parlez comme si vous allez m'apporter quelque chose là. Mais à part blanchir mon argent, vous allez faire quoi? On l'a blanchi et on prend moins de pourcent que Et deuxièmement, nous on peut s'arranger pour. Si c'est possible, vous posez une question, je vous réponds. On prend moins que la concu. Ryan, s'il te plaît, ferme-la, laisse-nous négocier. Ferme ta gueule, fiston. Plus sérieusement, il y a surtout quelque chose.
Putain, mais je peux finir ma phrase ou c'est possible? Allez-y. Merci. Il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous, et c'est éradiquer les Chinois. Parce que les Chinoiseries, ah ouais, je vais vous dire. Ah bah oui, c'est on va les niquer. Ouais. Ce qu'on peut faire, on peut leur donner un rendez-vous. On vous envoie un message quand on est en rendez-vous avec eux et vous leur tombez dessus. Ouais, ah, ils sont déjà sérieux, comme ça on n'est pas responsable également. Quoi. Et ils seront déjà ligotés. Hein, je vous le dis, par contre, sur un plateau d'argent, vous en faites ce que vous voulez. Qui nous dit que vous n'allez pas nous niquer? Les Chinois sont 14, à peu près. Ouais, on est 10 parce qu'on a exclu des gens là. D'accord, ouais, mais bien. Ils sont nuls, ils sont pas organisés. Hein. C'est juste qu'ils ont ouais, ouais, ils ont juste les faveurs de. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont des avantages, quoi. C'est le genre de mec comme ça, quoi. Ouais, il y a juste des petits qui cassent les couilles, qui crient partout là, qui parlent tout le temps. Mais niveau combat, on est OP. Très bien. Il n'y a pas meilleur. Au niveau de ceux qui vous fournissent les armes, c'est les Russes? Non. C'est qui les Russes? Dis-moi le nom du groupe. Écoutez, je pense qu'on vous a assez dit d'informations comme ça. Ouais, c'est vrai que là, on en donne pas mal quand même. On en donne beaucoup. Et non, dans la gratuité. C'est pas les Russes. C'est les Cambodgiens. Les Cambodgiens? Je donne pas d'infos, moi. Les Cambodgiens, je crois qu'ils sont, ils sont fait tuer par les Chinois, justement, hein, il me semble. Ouais. Moi, ouais, tout ce que je peux te dire, c'est que mon vendeur d'armes, il est encore en vie. Ah. Ouais, mais lui, c'est plus pour longtemps parce que je crois qu'il est en train de rejoindre les Chinois et que les Chinois vont lui mettre à l'envers, hein, pour le coup. Hein. Il est en train de faire un. Je pense aussi, clairement. Ouais. Écoutez, pour les 15%, on est d'accord. Ouais, par rapport aux 2 millions qu'on fait avec les Chinois, nous, on peut arrêter carrément, on peut leur mettre. Est-ce qu'on a la possibilité, Edith, de le contrat est déjà fini. Ryan, ferme ta gueule, Ryan. Est-ce qu'on a la possibilité de leur couper les vivres aux Chinois? Oui, bah, du jour au lendemain, je regarde sur mon tableau de bord, attends, hop. Ok, moi ce que je vous propose. Ouais, c'est possible, si c'est ça, Dilak, oui. Moi ce que je vous propose. On vous écoute. C'est que vous faites votre truc là, vous dites. Vous arrêtez de travailler pour eux. Enfin, de que eux travaillent pour vous. Oui. Je finis. En deux spies. Je finis. Mais dans radio. Par contre, j'essaie d'arrêter la cigarette là depuis tout à l'heure. Vous me donnez envie de cloper. Je vais péter un plomb là. Je vais devenir fou. Déjà, vous me cassez les couilles là. Je vais devenir dingue. Je vais putain de merde quoi. Ah non, c'est pas Eddie qui parle là. Non, c'est pas Eddie là. Ok. Ryan, ferme la bouche. C'est Jackie. Il a arrêté il y a quelques temps la cigarette. Je peux en placer une ou pas? C'est pas une cigarette. Parce que. Ouais, donc vous arrêtez le business avec lui. Le G là-bas, c'est. Oh, c'est un G de ouf, hein. Le G, c'est la tête, le cerveau. Mais moi, donc, je suis les bras, vous arrêtez de travailler avec eux, tout simplement. D'accord. Et maintenant, on fait que de travailler ensemble. Voilà. Que ça. Ouais, ça. Il y a une question que je me pose. Il y a une question qui me trottine la tête là. Vous êtes en train de me surluper là. Tout à l'heure, vous m'avez demandé une arme, on est d'accord. Pour le petit. Ouais, c'est pour le petit. Vous avez les contacts. On a les contacts, mais le problème c'est que les prix. Casse les couilles pour en avoir une. C'est une marque dans la main. C'est important, oui. C'est combien les prix? Juste les prix. Je m'en bats les couilles de qui à qui vous l'achetez. Vas-y, je vais lui dire de venir. Moi, j'ai même jamais demandé. J'en ai rien à foutre d'avoir une arme. Écoutez, c'est moi qui gère au niveau des prix, des négociations. Freddy, enfin Jackie, c'est plus lui. Comment dire? Lui, c'est les bras. S'il y a un problème, il descend, il fout des tartes. Ok. Ouais, déjà. Eddie, c'est le comptable. C'est lui qui gère les chiffres. Moi, Eddie, c'est lui à ma gauche. C'est ça. Ouais, exactement. Okay. Oui, c'est ça. Ok. Continue. Vous êtes combien? Déjà, vous vendez quel type d'armes? On vend pas d'armes. Ah, vous avez pas d'armes. Si, on a des armes. Mais on ne vend pas d'armes. Je vous le dis, hein. Si c'est les Russes, ils vont essayer de vous baiser. Je préfère être honnête avec mais vous. Mais en fait, je ne sais pas qui sont les Russes, en fait. C'est ça le problème. Ils ont un accent ou pas? En fait, moi je comprends pas. Vous nous parlez de Cambodgiens, de Chinois, de. Ouais, nous on est pas. Écoute, écoute, moi toutes les langues que toi tu connais, les Russes, les Chinois, je m'en bats les couilles. Moi c'est toi, toi et ton groupe qui m'intéresse. Non, ouais, mais il parle du vendeur d'armes. Ouais, je sais, t'inquiète. Mais c'est clair comme ça ou je te fais un dessin? Y'a pas de soucis. C'est quoi le rapport? Là, je comprends pas. Le rapport, parce que moi si tu veux, je te parle en russe. Hein. D'abord, конечно, немножко огорошла, вы студы на барак, да. Корва. On est pas à l'université, laissez les gars, on s'en bat les couilles. Je crois que oui. Donc ouais, je suis pas au courant qu'il y a des Russes qui ont tout qui vendent des armes. Ils sont très discrets. Ouais, t'inquiète pas, OG. Ce qu'on fait, nous, on va aller s'entretenir directement avec mes associés. On part sur 15% pour 1,5 million. Par soir pour l'instant, le temps de s'entretenir avec les Chinois, on voit comment on peut gérer attends, ça. Attends, vite fait, quand je te dis 1 million par soir, c'est si la ville ne fait pas de tempête, oui. Ah, oui, mais ça va être ça. On n'est pas con non plus, on est rien à l'air comme ça, mais non, ok. Rien. Non, je déjà pas. Là, actuellement, vous avez combien non, à blanchir ce soir? Non, 1 million 55 700.
Est-ce qu'on peut leur faire un blanchiment d'un million? Un peu, attendez un peu s'il vous plaît, parce qu'on a un run à finir. D'accord. C'est 20 minutes, je dirais. Eddie, dans 20 minutes, est-ce qu'on a la possibilité de leur blanchir un million? Attends, je regarde mon beeper, mon palme. Ouais, c'est bon, si c'est ça, je dis là, ouais. Oui, c'est bon. Bon, écoutez, actuellement, il est quelle heure? Il est 4h47. Ouais. On repasse à 5h10. À 5h10, on veut les sacs dans un camion, avec l'argent. On repassera directement. Ouais, le camion réussit. Tu m'as compris. Ouais. L'argent, tu le mets dans le camion. Ouais. Nous, on va directement à l'usine. Recule, l'argent. Et on vient directement avec l'argent propre. Okay. On veut pas qu'il y ait des attroupements. On veut pas que des gens. Attendez. Là, t'es en train de me dire qu'on va te donner l'argent sale dans un camion que toi tu vas prendre et ramener pour le blanchir et revenir avec pour nous donner l'argent blanchi, c'est ça? Effectivement, faut bien qu'on passe à la banque. Ouais, mais okay. Non. Donc, non, lui, non, il va non, faire non. Un con, lui, en fait. Ouais, ça marche pas comme ça. Écoute. Comme ça avec les Chinois. Non. On n'est pas des Chinois, on n'est pas des putains de Chinois. On dit qu'on arrête de parler des Chinois, y'a quoi que je comprends pas. On n'est pas des putains de Chinois, t'as compris, man? Arrêtez vos chinoiseries là, putain de merde! Dites-moi comment vous voulez procéder. Attends, mais toi tu parles à qui, toi? Est-ce que j'ai le visage chinois là? Je vous ai dit, comment? Sur les bords. Ouais, moi je suis un putain de négro, moi. Moi tu vas pas me baiser la gueule comme ces fils de pute de Chinois, moi. Ok, bon là il a été clair. Donc c'est soit. Il rigole. Attendez, parce que là vous croyez qu'on mettait pas son rôle. Il avait en plus tout risque. Non, écoute. Attendez. Non, là c'est toi qui écoutes. Il s'est senti chaud, il était comme ça. Oh putain, là j'ai fait un truc de ouf, les frères. Moi, nous on va te proposer un seul truc, en fait. Voilà, exactement. Nous on va venir avec le van chargé à un point de là où toi tu vas nous donner. Ok. Au doc, c'est là où j'ai. Toi tu vas venir avec l'argent propre et on fera l'échange sur place et on repart chacun de notre côté. Ça c'est quand on aura confiance en eux. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir avec votre sac rempli d'argent propre. Nous, avec notre sac rempli d'argent sale. Moi, les conversations de comptoir, j'ai l'impression d'être au PMU. On va faire un 21 derrière, on va se blander. C'est quoi cette histoire? On est des amateurs là? T'es pas négociateur en ce qui me concerne, c'est ton collègue juste à côté. Comment je t'appelle? Parce que à chaque fois, j'ai. T'arrêtes pas de parler, toi. C'est le chef ou pas? Moi, c'est Jeff. Ouais, le gars, c'est le. Bon, écoutez, je vais faire simple. Écoutez, ça va être très simple. Moi, vous m'appelez Vito. Ce qui va être simple, Vito. Vous marchez pas avec nous, vous êtes nos ennemis. Là, j'ai pas dit ça. Ne forcez pas à faire un appel radio à ramener tous les autres. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on leur laisse Ryan. On leur laisse Ryan. C'est des menaces que tu fais là. Non, mais écoutez. On est respectueux. On vient seulement à 4. Non, là t'es en train de manquer de respect. Je suis issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. S'il vous plaît, les gars. On aurait pu venir à Nice, je te le dis. On fait ta putain de grande bouche, laisse parler au G. T'as compris? La première fois, ce que je te propose, Vita, c'est que tu viens avec l'argent blanchi. Moi, je vais avec l'argent sale. Derrière, il y a une ruelle. On se donne rendez-vous derrière. Ça sera pour la première fois. Très bien. Après, on verra. Ça me paraît correct, mais je veux pas qu'il y ait 10 000 membres. Nous, non. On va venir à deux. Non, on sera deux aussi. On sera deux. Ok, bon, bah on fait comme ça. Okay. On vous laisse Ryan. Pas de coup de fourré, on vous fait pas de coup de fourré. Non, par contre, prends le temps petit là, j'ai pas envie de le voir ici. Il va se blesser. Je m'occupe de lui, OG, si tu veux. On a besoin qu'il se forme. Oui, ça va être la garderie pour lui. Allez, Ryan, t'écoutes. Ouais, mais de toute façon, s'il est pas content, je vous mens pas, le papa. Jackie, ton fils, tu veux que ça devienne un putain de bonhomme, non? Eh, vas-y. Vas-y, je te prends. Ouais, je m'en fous de lui, c'est bon. Prenez Ryan. Je vous demande la permission, monsieur. Jackie, ça te va, on va laisser Ryan. Ah bon, Ryan, t'écoutes les autres. Si tu manques de respect, tu dis. Monsieur, je vous dis, s'il manque de respect ou quoi, je vous demande la permission. Allez, t'écoutes la team CTLM, allez, suivez-vous, faut l'éduquer. Ok. Je vais faire quoi, en fait? Bon, attends, la team CTLM, c'est qui la team CTLM, là? C'est qui la team CTLM, là? On fait comme ça, y'a pas de soucis. Attends. Allez, bon, tout à l'heure. C'est quoi cette victime? Attendez. Je vais faire quoi là? Je fais quoi ici? Toi, tu te fais éduquer ici et tu fermes ta gueule, d'accord? Et tu t'apprends maintenant, fiston. Tu restes ici. C'est sûr de vouloir nous le laisser. Oui, c'est pour la confiance. Je viens chercher tout à l'heure là. Ils vont t'éduquer un peu, d'accord, fiston? Juste pour combien de temps? On passe dans 20 minutes. Viens, fiston, viens. Ok. Le temps qu'on fasse les choses bien, quoi. Ils vont nous apprendre notre métier maintenant. C'est moi qui vais m'occuper. C'est moi. Viens. Qu'est-ce qu'ils sont cons, putain? C'est pourquoi on traite avec eux? Je t'ai déjà dit. Ryan, viens. Je t'ai déjà dit, Vito, putain. Non, mais écoute, j'ai un plan en tête. On va les baiser. OG. Ce soir, on part aux Bahamas avec un million. Le coup du siècle. Oh putain, mais qu'est-ce que. Et c'est un coup d'enfer ce que t'as fait, putain. Écoute, ils vont venir à deux dans une petite ruelle. Avec les 1 million dans le camion.
Moi je les braque. Je les braque, tu t'occupes de transférer la marchandise. Je pensais pas qu'en me réveillant ce matin, qu'on allait pouvoir aller. Voilà, berner un gang, hein, franchement, vous, et c'est du grand art, les gars. Je suis quand même pas confiant sur le business. Écoute, bon, on verra bien, quoi. S'il y a moyen de récupérer la chune et se barrer, on le fera, quoi. Quitte à des, quitte à des guerpillères, hein, définitivement, de ce qu'on l'est, quoi. Ah oui, non, mais un million, on peut aller aux Bahamas, hein. On peut aller à Malte, hein. On fait du dropshipping. Hein. Si tu crois que je vais partir en vacances sur une île désertique avec un gros PD, tu te fourres vraiment la bite dans le cul, là. Moi, j'en veux pas des mecs comme ça. Non, mais de toute façon, on a comme un accord, on va se séparer, mais bon, c'est pas ça. Là, on doit travailler en équipe, hein. Il faut absolument qu'on récupère cet argent. Allez, toi, la belle vie, t'auras pas de coaching et ta femme. Je te le dis, de la pute de luxe, tu vas t'en croiser. Tu vas en croiser, je te le dis. On fait comment pour ton fils, par contre? Parce que si on se barre avec les 1 million, il va sûrement mourir. Ah, j'en ai rien à branler, c'est pas le mien, si c'est pas le mien. Bon, écoutez, dans 20 minutes, on repasse. Ils auront les 1 million dans la voiture. Je les braque. Toi, Eddie, tu t'occupes de mettre tous les sacs et de prendre l'argent. Tu te barres pas tout seul. Tu nous fais pas un coup. Non, de toute façon, ça va, c'est du 50-50-50, ok? Non, je veux 70%. Comment ça? Ouais, ça me va, ouais, ça c'est bien, ouais. Je veux 70%, et vous faites 15 et 15. Mais attends, il veut quoi la tafiole encore? Attendez, ça va t'en faire des litres de popper, c'est un gros payé, tu vas nous foutre la paix, ouais. Eh, il va se calmer la tarlouse de service là-haut, ouais. C'est moi qui prends les risques. Les risques, les seuls risques que tu prends, c'est dans les glory halls quand tu vas choper le HIV. Entre parenthèses, ici c'est nous qui prenons les risques, c'est moi les gars des bras, d'accord? Je suis au premier front. Oui, donc maintenant, on va choper le sida et ferme ta gueule, d'accord? Bon, voilà notre voiture. Ouais, je découvre parce que je n'avais jamais joué avec lui en fait. Ah bah très bien, bah, je crois que je l'ai en fion. Super. Ah ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Bon, attendez, on va essayer de récupérer. Il nous faut une putain d'arme. Hein. Ultra, garde à vous, on voudrait un véhicule 4 places, s'il vous plaît, tout de suite. Une arme pour le plan. Une arme. Préférence gros calibre et avec un véhicule blindé, merci. Effectivement. Alors, normalement, c'est bon, j'ai passé commande. Normalement. Ah, bah parfait. Ouais, super. C'est bon, parfait. C'est du 2 places, ça, encore. Ouais, bah c'est pas grave, on y va à deux. Oui, et l'arme, quoi. Il nous faut une arme. Les armes aussi. Comme ça, je... On va se mettre à un endroit pour avoir une arme discrètement. Bah, je crois qu'il arrive en courant pour l'arme. On va se garer ici. C'est le coup du siècle si on arrive à se faire 1 million. Oh, ils vont voir que du feu, quoi. Il y a du vous. Et ouais, il y a parfait ça. Il y fait. Putain, c'est un mot. Oui. Regardez vos poches, est-ce que vous avez une arme? Non, toujours pas. Pas du tout. On me signale dans l'oreillette que apparemment la livraison comme ça personnalisée. Ça marche pas ici. Ah, est-ce qu'on a possibilité d'avoir un ultra armé qui nous rejoigne pour le plan? Bien évidemment, on lui donnera pas d'argent. Hein. Oui, on aimerait un volontaire, oui. Mm-mm. C'est un vol. Attention, je rappelle que c'est un vol aller simple. Normalement, il y aura pas de. Il nous reste 5 minutes pour avoir une arme, pour pouvoir mettre le plan à exécution. On va se faire niquer par les yeux. Faites mine de rien. Soyez discret, voilà. Ah, sinon on a besoin d'Ultra qui nous donne de l'argent pour pouvoir aller directement en acheter une à l'armurier. C'est combien là, j'ai connerie. Merci Drozen. Bah, il faut le putain de PPA, il a 10 000, vous avez combien en banque? Ok, bah j'ai 1000. En banque, normalement t'as 8200. Ok, venez, on va chercher notre argent, j'achète un PPA, on achète une arme, venez. Mais qu'est-ce que... Ouais. Chuck, faut que tu viennes TS. Tu peux vraiment nous faire ça ou pas? Ok, c'est bon. Alors, t'es où? Je vois pas. Tu comptes faire quoi avec ta part sur les 1 million? Bah, je pense que déjà, dans un premier temps, je pense que j'irai me prendre une pute de luxe. Et je pense que je fais tout ça à ma femme. Mm-hmm. Lui envoyer des photos de moi et elle avec son boule en opposition pendant que je serai au Bahamas. Tiens, retire ton argent. Excusez-moi, vous êtes arrêté un peu vite là. Oui, salut les mecs. En fait, tu vois, on avait une technique, c'est qu'on le jetait au sol.
Ouais. Et quand les gens se connectaient, récupéraient tous nos faux billets. Ouais, bah du coup, c'est pour ça que j'en ai vu. Puis vu que ça m'intéressait, on a cherché combien ça coûtait. Ça coûtait. Je suis allé en admin, Ramenez l'argent. En fait, quand je suis arrivé, t'étais vraiment trop. Ouais, attends, viens ici parce qu'il faut qu'on ramène tout l'argent. Attends, check. Il faut que tu viennes sur TS, sinon je peux rien faire pour toi. Bon. Ouais, c'est bon. Ou demande à Franksen, sinon. En privé. Heureusement que tu m'as donné. Ah ouais, c'est vrai, il m'a donné 20 000 personnes. Bon, il faudrait qu'il soit une personne sur les lignes pour récolter l'argent. Jackie. Il y a quoi? T'as dit quoi? Ok, levez tous les mains, bande de salopes. Tous contre le mur. Tous contre le mur, bande de salopes. Tous contre le mur. Dépêche-toi, toi, va contre le mur. C'est quoi cette histoire là? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, vous voulez braquer? Quand on a le droit de braquer les gens dans une banque? Ouais, mais tu comptes braquer? Bougez pas, les beaux gosses. Tu braques quoi? C'est une caméra cachée, c'est bon, je crois, je les reconnais, ouais, c'est surprise, surprise, on peut y aller, ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui. T'es sûr? Aïe, oula, oula. Et là, c'est surprise, surprise. Caméra cachée, on va dire. Ah ouais? Putain, mais il est où? Pourquoi j'ai entendu? Mais tout là, c'est moi qui m'occupe de l'argent. Je récupère l'argent de notre groupe, en fait, c'est tout. Oui, c'est pour envoyer un peu d'argent à Monogram ou Western Union en Afrique, quoi, c'est pour les enfants. Ouais, vous comptez braquer la banque? Pourquoi j'ai pas dit ça? Tu veux. Qu'est-ce que tu crois qu'on va bloquer la banque? Attends, c'est toi qui m'as parlé? Exactement. Ouais, ouais, c'est moi, ouais. Ok. Attends. Enculé, les fils de pute là! Oh! Merci, au revoir, messieurs! Vas-y, oh putain, alors Jackie! Jackie, attends, il est mort et il parle encore? Jackie, tu m'entends? Vous allez le payer, bande de fils de pute là! Bon, ça, ça vous fait marrer? Vu qu'il n'y a pas de MS, je vais tri-wave. Putain, Jackie. Sadio, viens vite devant! Allez, relève-toi, c'est bon, j'espère que c'est pas un coup d'état. Relève-toi, putain! Oui, bah je me relève, oui. Qu'est-ce que c'est que ces cons, quoi? C'est... Oh, par contre, je vais péter un câble, les gens, là. T'inquiète, c'est une vague de trollers, on va tous les mettre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? C'est qui le prochain? Ouais, il s'est fait agresser, quoi. Jackie, il dit, vous avez réussi à retirer votre argent? Ouais, c'est bon. Bon, allez, on y va, on dégage. Attends, c'est votre père? Si vous voyez, les gars, si vous voyez une Osiris noire, vous lui mettez une grosse balle dans la tête, c'est bon? Mais encore? Mais toi, t'es une victime! Mais gros, il vient de le faire là, là! Oh là là, les piges. Il faut qu'il prenne une voiture. C'est bon, j'ai pu récolter 8 000 $ là. Ok, super, on va tout réunir et acheter un PPA avec une arme. Il faut qu'il vienne. Viens, l'armurier! Viens, l'armurier, c'est juste en face. Ouais, super. Prends la voiture noire. Attends-le. Allez, putain, on doit vite avoir l'argent. Pourquoi ils l'ont tué? Ah bah il a voulu récupérer une feuille avec lui qui appartenait pas, je crois. Bon bah. Attends, parce qu'apparemment j'ai rien retiré, il paraît que j'avais encore de l'argent à la banque. Mais j'ai déjà 8 000 sur moi là. Enfin 9 000, presque 9 000, ouais. J'ai ok, 8 000, va retirer. Ouais, attends. Vas-y. Un Ecosta qui l'a volé là, Osiris. Par contre j'ai entendu des impacts là, j'espère que vous avez pas commis une bavure, bande de cons là. Il est où Khalil? Il est où Jackie? Jackie, oui, Jackie, faut tous le trouver, Jackie. Ah c'est bon, il est dans le véhicule, attendez, je vais retirer de l'argent. De qui, moi? Tu l'as eu? Mais t'as tué celui qui avait ma voiture? Voilà, t'es trop fort. Mais mec, t'es trop fort. Oula, Sabi, t'es trop fort. Vas-y, fais-nous des petites danses. Oula, Sabi, t'es trop fort. Merde, comment on fait pour tirer? Vas-y, fais-nous une petite danse. Parce que moi, j'aime bien les petites danses. Oh, ouais, allez, encore, ouais. Il est trop chaud. Vas-y. 8 250. Et là, comme par hasard, ils viennent de se... Mais c'est moi, Santiago. T'as réussi à avoir combien? Là, au total, j'ai 17 200 $. Ok, tu veux avoir l'arme ou c'est comme tu veux? Non, tu gères la situation, ouais. De toute façon, je sais pas viser. Vas-y, vous me passez la thune. Vas-y, passez-moi le fricouille.
Ouais, attends, mets-toi, bouge pas, je vais te donner tout ça. Écartez-vous, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Faut donner l'argent maintenant. Vas-y, donne-moi. T'auras assez pour acheter l'arme, ça ? Avec oui, quoi le muscle pour l'argent, là, comme ils disent ? Le muscle, c'est F5, portefeuille, argent, donné. C'est donné. Merde, j'ai eu combien ? Donnez-moi tout ce que vous avez. Allez, retirez. Voilà, j'ai reçu 17. Ok, j'ai 44 000. 44 000 ? Putain, c'est les papillons qui me butent en boucle depuis tout à l'heure, là. Ouais, c'est normal, parce que je sais pas ce qui... J'ai l'impression qu'il manque... Il manque 6 000, c'est 50 000 le PPR. Ça va arriver, j'ai les instructions, okay. ça va arriver. Ok. Attends, et pour le montant, là, si je peux avoir quoi comme arme, là ? Je sais pas encore, il faut avoir le PPA pour voir les armes. Oh, putain. Bon. Merci, je répète le plan. Wiz, merci beaucoup. On arrive les gars, avec une grosse camionnette. On leur dit que l'argent est dedans. Ils auront tout l'argent ici. Ça arrive. Goûtez au merveilleux. Ça arrive avec un grand S comme sa mère la pute. Hein. Est-ce que dès qu'on allait à 1 million, on divise en 3 directement, on se barre chacun de notre côté avec notre argent, on reste réunis et on fera la part directement à l'aéroport. Oui, on verra plus tard, c'est des modalités, ça c'est que du détail. Bon, déjà, il faut absolument qu'on les berne, ces fils de schlag. Ces mecs finissent à la piste, là. Plus le temps, plus ils se déguisent en sapin de Noël, c'est con. Quoi. Super, vas-y, donne-moi. T'as l'habitude, gros PD, de dire donne-moi. D'habitude, tu rajoutes tout, donne-moi tout. Bah, il manque 100 dollars pour avoir juste le PPA, il nous faut. Ouais, c'est bon, j'ai ça. Vas-y, bah, donne. Ouais, je vais lui donner. Ok, je vais acheter le PPA et je vous dis c'est combien d'armes. Ouais, par contre, si tu peux éviter de nous raconter ta vie à chaque fois que tu veux faire quelque chose, hein, j'ai peur de savoir quand tu vas aller te faire enfiler après. Tu sais bien envoyé ça. Putain. Jamais j'aurais cru qu'on aurait pu collaborer avec ce genre de tarlous. S'il faut, hein, pour gagner de l'argent, on le fera. Hein. Ouais, collaborer, moi, c'est un peu. Comment, ouais. Ouais, les boys. Bon. Oui, c'est un terme qui vaut. Ouais, qui vaut ouais. Bad news. Ouais, un peu, ouais. Oui. Il nous faut 30 000 bullish. C'est bon, ça va arriver. Attendez, on va attendre la livraison. Okay. Ultra au rapport, on aimerait. Ouais, c'est bon, dans l'oreillette, dans mon tom-tom. Normalement, ça devrait le faire. Juste qu'on soit d'accord. Vous allez pas essayer de me baiser. J'ai pas envie de choper des saloperies, donc non, il y a quand même peu de chance. Ouais, c'est pareil, ça. J'ai déjà fait une fois et j'ai cherché à choper. Soyez pas con, je parle au niveau de la thune. Vous allez pas me baiser. À l'aéroport. J'aurai ma part. Bah, le problème, c'est que moi, on m'a dit que les gens comme toi, c'était plutôt vénal. Et en plus, j'ai envie de te dire, sans faire de discrimination, attention, généralement, vous avez quand même bien à faire dans le showbiz et les trucs. Hein. J'ai déjà vu Michou. Ouais, vous avez une place de choix dans le showbiz, c'est vrai. Voilà. Bon, écoute, donc, tu pourras bien te débrouiller, je pense, en donnant ton cul. J'ai besoin de ce fric pour me faire une implantation, ma mère. Je veux devenir une femme, une vraie girls. Oui, bon, bah, ça va, on te donnera le budget nécessaire, ça va. Ouais, deal, je sais pas, c'est combien à peu près un sein. Je pense que ça doit être dans les 30 000 dollars, un boobs. Faudrait que je demande à Amorante. Faudrait faire ça au Brésil, ça, je pense. J'ai pas touché, hein. Ah, bah, jouer. Bon, attendons. J'ai reçu un message. Ils ont déjà allé à 1 million, ils sont prêts. Faudrait se dépêcher. Et il nous faut une livraison, une camionnette. Alors, oui, attends, je vais passer la commande. Alors, il nous faudrait un véhicule assez lourd. De préférence avec un revêtement très très épais, si possible. Et encore l'argent, il nous manque 30 000 dollars en liquide, là, tout de suite. Les gars, dépêchez-vous, venez sur le serve. Demandez en privé à... qui, là ? Franksen ou Chuck Gaming dans le chat, là. Bon, pour le véhicule lourd, c'est bon, je crois. Bon, on a déjà le véhicule. Merci, bien aimable. Ah putain, ça fait du bien d'avoir une pute à son service, ça évite de se... ouais, de dégourdir trop les jambes, quoi. Non, mais là je parlais de ma femme. Oh putain, il faut que je m'hydrate apparemment. Ah non, c'est bon. Tiens, mais c'est où que je vois ça, moi ? Ah non, ça va aussi. Moi aussi, ça va. Non, ah, tu pensais de. Non, mais c'est bon, c'est fini. Il commence à s'impatienter, je crois. Il m'envoie un message. ZZZZZZZZ, merci. Oh, 200 abonnements, merci. Bienvenue dans la Ligue des Steaks d'or, mon pote. Merci. Merci beaucoup. C'est quoi le muscle pour entendre les gens moins loin ? Parce que des fois, j'entends trop les gens qui ouvrent leur gueule. C'est vrai, il faudrait demander ça, oui. Ouais, parce qu'on entend les mecs à l'autre. Ah, il était chez Adastra avant, c'est ça. Bon, tu te dépêches, livraison là, il manque juste la thune, il manque 30 000, ça serait bien. Trunks, envoie ça à.
Comment qu'on va faire s'ils sont lourdement armés? Ils seront que deux. Ils seront que deux. Moi, je vais arriver par derrière. Je vais les prendre par derrière. Je vais les braquer. Écoute, ça va être simple. On va arriver. Moi, merci, vous serez que deux. Dès que je vois qu'ils sont pas armés, j'arrive par derrière, je les braque. Vous récupérez les armes. Ça part derrière, tu sais y faire, j'ai l'impression. Ouais. Effectivement. Dès que vous avez les armes, on prend les sacs et on se barre. Ils vont sûrement nous suivre avec tout leur quartier. J'espère que vous avez la gâchette et le doigté. Oui, j'ai la gâchette facile, ouais, quand je suis un peu pompette comme ça, oui, c'est vrai que... Ah, aussi, vous avez des problèmes d'éjaculation précoce. Oui, qui le dites-vous? Oh, il la double ensuite derrière, merci à Rabat-Joie, merci beaucoup à BGF Saitama. Dès qu'on a le fric, on se barre directement à l'aéroport. Comment tu fais ça? Tu les choisis comment, Rabat-Joie? Et moi, j'ai un vol privé, un jet privé. Remercier, hein, B-Boy, ouais, ça va, il remercie. Ouais, il faut aller pour l'extraction, il va falloir être furtif, hein. Il y a un hélicoptère qui nous attend sur place, apparemment. On pourra se barrer avec l'argent. Ah oui, c'est bon, il y a hélicoptère au rapport, si possible, sur le rendez-vous, restez alerte sur ce qui va se passer. Directement à l'aéroport. Bon, par contre, il nous faudrait vite les 30 000, là, je crois qu'il est là. Duxer. Ah, c'est bon, il se ramène. Oui. C'est gentil, merci pour la livraison. Alors c'est pas 30 000, il manque quand même pas mal d'argent. Bon, il manque 24 000. Oui, allez, on va chercher l'argent. Ah, c'est une samba ça. Merci du Xer, c'est gentil. Rabat-Joie. Dis-moi, j'ai mon téléphone. Ah bah super, vas-y, tu peux me donner, on est parti. Ah bah c'est bon, il a ce qu'il faut, c'est gentil, bien aimable. Je crois pas qu'il ait la possibilité de donner l'arme. Ah bah si, bah super. Est-ce que tu as la possibilité de donner à mes collègues ou non? Ce n'est pas possible. Saute sur place si c'est pas possible. Ah, je crois que c'est possible. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une arme lourde? Ouais, bon, ça me rappelle Matrix, là, les deux agents Smith, là, c'est sympa, là. Ah, bon, bah voilà, ça c'est nickel. Il faudrait ça. Là, on est dans la Matrix, on parle, là, c'est bon. Alors regarde comment on est chargé, là, on est chargé à bloc. Bon. Je vous donne le flingue. C'est bon. Je pense que ça suffira. Ouais, vas-y. Ouais, c'est bien. Ok, bon allez, on y va, c'est parti, montez dans la camionnette. Ouais, prends, c'est pas vrai. Ils vont être en code Defcon, ils vont rien comprendre, c'est quoi. Putain, je suis complètement stressé, hein, vraiment, je suis stressé de l'intérieur. Ça va bien se passer, il y a juste à assurer ce qu'à prendre. Ouais, essaye de pas relâcher trop la merde que t'as au fond du cul, parce que je pense que ton sphincter est un peu décontracté là, donc respire, d'accord? Tu restes calme, tu restes safe, d'accord? D'accord. Tu te concentres, tu restes focus. Ok, d'accord. Putain, je le sens pas, ça va merder. Bon, allez. Essayez de les amadouer et que je sois derrière eux, que je les braque. J'en fais pas, ça va être notre rôle de les mettre à l'aise. On va essayer de les berner comme il faut, comme il se doit. Ok. Putain, il faut que les deux. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, je l'ai invité. C'est bon, t'inquiète. Je l'ai invité, c'est bon. Pour les photos. C'est eux, je crois que c'est eux, Logi. Ah ouais, vas-y. Oui, qu'est-ce qu'ils font là? Habituellement, je vais éplucher les balades dans les autres serveurs en vrai. Normalisation. Ouais, mais là, de toute façon, t'aurais pas. Là, moi, c'est parce que j'aime bien. Ouais, klaxonne-les, j'ai l'impression que je suis des. Bordel de merde, on va pas se rester avec. Qu'il y a. Oui, bah, on a beaucoup d'argent dans le coffre, on aimerait pas se faire braquer. Oui, bah, normal. On se met où? Ça y est, vas-y, venez là, venez. On va pas savoir, de toute façon, vas-y, venez. Garde-toi en face, là. Attendez, mais on a tout l'argent, il faut faire ça discrètement dans une ruelle. Ouais, pour faire ça là en plein milieu. Oui, non, mais là, on va pas se mettre là. Il y a la police qui fait que passer. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est en surloupe? Eh, ils ont intérêt à respecter les termes du contrat, c'est con, là. On va les suivre. Aïe. On va les suivre. On vous suit. Non, mais vas-y, mettez-vous, je vous cache. Tout le monde a des gros, là. Je cache avec le truc. Ok. Oh putain, s'ils sont nombreux, c'est pas surprenant de se débuter. Ne vous inquiétez pas. C'est pas pour rien que généralement les pilotes de F1 et de rallye, c'est pas des gros PD comme toi, parce que là, tu conduis comme une merde. Hein. Excuse-moi. Bon, nickel. Alors. Ouais, je t'en pensais à croire que t'aimes bien le charger, quoi. On va attendre Logi. T'es embrouillé ou quoi? On fait ça discrètement. Tranquille, les gars. Tu as dit aux Chinois que c'était annulé? Est-ce que tu as dit aux Chinois que c'était annulé la transaction? Ah, moi, c'est bon.
Ouais, attends, je vais les parler. Attends, je sors mon téléphone. Oui. Excuse-moi. Ouais, c'est bon, j'ai terminé l'appel. Ton fils, il est parti faire une sieste. Il est chez moi. Ah, tiens, tu l'as pas buté là. T'as dit quoi? Non, il est vraiment parti dormir. Il est parti dormir. Il est dormi, le man. Okay. Il est sur mon lit au calme. Oui, d'accord, ouais, ça c'est. Il sur ton lit. Je le déposerai chez toi si tu veux. Ah, on n'est pas des 100 coeurs non plus, man. Ouais, ok, ça roule. Ouais. C'est un ptio, il va apprendre, c'est normal. Ouais, c'est normal, ouais. Ouais, comme tu dis. Ça... Je suis chiant comme sa mère, mais bon. Ce ton respect, je l'ai appris à tirer. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Je t'ai dit à tirer de la gâchette, la bonne gâchette, j'espère. C'est-à-dire. En vrai, il a du potentiel, le ptio. Eddie, Jackie. Ça va? Tout va bien? Ouais, contractés, on a un climat de confiance qui s'est installé, ils sont gentils. Ok, bah tout, super, ouais. On est en train de... Il est en train de poser les sacs d'un million. Je peux vous livrer... Reste sur les gardes, tu sors. C'est vrai, Crash? Attends, j'ai reçu une information de la plus haute importance. Apparemment, il y a une personne qui a des 1 million. Ah bon? Attends, je vais me mettre sur le côté, je vais voir s'il y a une livraison qui sera. Attends un instant. C'est vrai, Crash? T'as les 1 million, vas-y, à 100, vas-y, ramène 1 million, ramène 1 million, ça serait énorme. Je sais pas ce qu'il fout. C'est le cartel, man. Ah bah. Les gars, mais 1 million, c'est pas de les écraser. Putain. C'est pas le cartel, c'est des trollers. J'ai plus de balles. Bah faites la diversion au pire, mais... Ah les gars, c'est injouable. Vas-y, ouais, non, mais j'imagine, ouais, mais c'est bon, injouable, ouais. C'est injouable, frère, ils sont trois en train de nous foncer sur les voitures depuis tout à l'heure. Vas-y, on va les ban. Putain, le confinement, c'est chier. Les mecs, ils nous cassent les couilles. Bande de fous. Ah les gars, pourquoi? Aïe, on arrive même pas à tenir notre RP là, bande d'enculés là, cassez-vous là. Frère, j'avais bande de trollers de merde là. Utilisé sur eux. Là, niquez vos races, ces trollers si vous regardez là. Bande casse de les couilles, la vie de ma mère, ça casse les couilles. Quoi, sérieux, mais c'est quoi? Moi j'en ai marre, frère. Ouais, frère, non. Putain, là, on est à la fin de la scène, juste attendez qu'on finisse là, bande d'enculés. Et faites ce que vous voulez après derrière, bande d'enculés de trollers là. Ah, vous avez toujours vos pioupiou là? Ouais, j'ai. T'en as eu? T'en as un? Bah, non, mais quand je le sors. J'ai une information de la côté. C'est bon, j'ai une raison du montant exact. Ça va arriver là. Je suis désolé pour la scène. Vas-y, nickel. Ouais, oh, y'a pas de soucis, frère. Vas-y, t'es prêt, on repasse en RP. On repasse en RP. Ouais, ouais. Ah, bon, attends, j'ai. Oui, j'ai une livraison Uber Eats qui va arriver. Attends deux secondes. Ok. C'est quoi ta livraison? Ouais, en gros, j'ai un collègue, il va me ramener le montant exact. On s'en bat les couilles de jeu, 1 million. Eh, on est baise. Je sais, mais double baising. Ah ouais, on leur donne 1 million. Ah ouais, on leur donne les 1 million. Ils nous donnent 1 million. Je le braque. Ouais. On récupère le million. On a 2 000. Donc après les Chinois. Et les Chinois, on s'en. Non, les gars. Ouais, allô. Attendez, il y a un modeur. J'ai demandé. Ah ouais on banne le dernier modeur. Là, je suis en. Enfin, ils ont plus de ban. T'as compris. T'es un gars, toi? T'es un dieu? Yes. Ah bah nickel, ok. On en a banni deux là, il y en a encore un qui se. Ah, c'est la merde. C'est naïf. Je te jure, ça rend fou. Tu peux te mettre sur radio s'il te plaît. Ouais, non, les gars, par contre, juste évitez de tirer comme ça. Vraiment, ça fait une mauvaise image. Ouais, voilà les bon, fils il... de pute. Voilà, regarde les fils de pute. Vas-y, amène-le dans le quartier là-bas. J'arrive pas à le porter, les man. Il est mort. Lui, il est mort de toute façon. Bon, les gars, F9, ligoté, menotté, kidnappé. Mais y'a pas en fait. Je te vois pas, gros. Il m'a tué. Viens radio. Mais radio. Si, il nous a carqué. Oh, franchement, si t'as les 1 million, on fait vraiment le deal et comme ça on peut y retourner. On peut entretenir le truc. Ouais, j'avoue, ouais, pas con. Attends, je vais. Plutôt je vais que en fait, ils l'ont buté, il est passé devant, mais ils l'ont buté. Attends, je vais voir où il est. Merde. Faut demander à ce qu'il se fasse Réa, quoi. Il est là dans 4 minutes, il me dit. Ouais, bon, on va attendre. On en est où là? Vous me prenez à l'hôpital. Ouais, okay, on la joue totalement RP, comme ça on sait qu'on peut revenir. Attends, faut que je tu vois. Viens sur la radio là rapidement, il y a moyen d'avoir un truc simple.
Ah ouais, mais il va peut-être perdre sa thune, quoi. Oh, mais il peut. Attends. Ouais. Bah, en gros, il y a Crash qui va nous ramener les 1 million. Il a raison, pour entretenir le truc, ça peut être pas mal. Comme ça, on fait un petit fil rouge. Ouais, en vrai, c'est propre là, la scène. Hein. Ouais, c'est nickel. Ils sont pas mauvais en plus, hein. Non, ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais, ouais, c'est clair. Franchement, c'est plaisant. Vas-y, ok, ouais. On fait comme ça, on gagne du temps en RP et go. Il arrive dans combien de temps, juste voir. 4 minutes, je crois. Il a dit. Attends, vas-y, vas-y. On reprend ou. Ouais, on va reprendre. Là, c'est juste que. On va reprendre. Y'a plus, c'est bon, y'a plus de bizarre. Y'en a un, mais il est en train. Enfin, apparemment, c'est pas un modeur. On finit juste le. Ouais, vas-y, tranquille, vocal. Préparez-vous pour la scène, les gars, c'est cool. Vas-y, on se remet à l'intérieur. Hein. Juste pour plus de sérieux, les gars, parlez pas en même temps, vraiment. Ouais. Les gars, ouais, c'est un OG. Normalement, c'est le membre de votre. Enfin, c'est le chef de votre gang. Normalement, ouais, vous avez peur de lui. N'hésite pas à leur dire le ouais. C'est ça le truc, c'est ça que je comprends pas. Ouais, je comprends, mais quand il parle, les gars, normalement, y'a personne qui parle. On est là pour lui. Tu vois, c'est comme toi tout à l'heure. C'est comme toi tout à l'heure quand tu lui dis, je veux parler qu'à lui, mais avec mes associés. C'est pas possible, ça non plus. Ouais, t'inquiète, ça je comprends. Non, c'est la famille. C'est la famille. C'est pour ça que j'ai parlé. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé. C'est une question de principe. Si on parle, c'est que c'est pour quelque chose. Non, mais la raison. Normalement, c'est logique. C'est à OG. Ouais, il y a pas de soucis, les gars. C'est l'OG, il donne les ordres. Gros, s'il vous plaît, je vous demande ça comme un service. Là, avec le confinement, j'essaie vraiment d'arrêter de fumer. C'est pas des conneries. Là, j'ai envie de bouffer la table. Donc, quand je vous vois fumer en RP, là, j'ai envie de tout défoncer. Donc, s'il te plaît, fume pas, quoi. Frère, moi, ça fait trois semaines, j'ai arrêté de fumer. Ouais, non, arrête. Les gars, normalement, pour votre quartier, on va mettre des grilles tout autour pour que les gens ils rentrent pas comme ça. Ah ouais, ah ouais, sérieux, vous assurez, les gars. Mais par contre, les gars, je veux pas de poubelle qui crame comme chez les déchets, comme la déchets. Ouais, on va. T'inquiète. Ouais, bah là, ça fait déchetterie, frère. Moi, juste des trucs, hein. Ouais. Vas-y, y'a pas de soucis. Bah, vas-y, allez de votre côté, on finit ça et on arrive. Qu'est-ce que je voulais dire? Vas-y, Crash, tu me dis quand c'est beau. Normalement, c'est rendez-vous au hôpital, je pense. Alors, là. Oui. Ouais, clairement, il joue très bien. Hein. Ouais, du coup, on envoie les 1 million. Ouais, c'est bon, j'ai l'information, on peut aller directement à l'hôpital, ce sera plus qu'à midi. Ok, bah, je vais aller acheter un chargeur, moi, vite fait, parce que j'ai pas de balle dans mon arme. On leur dit, on revient dans 5 minutes, que du coup... Ouais, je leur dis qu'on va reposer les bases, quoi, de la scène. Ah ouais, pas con, ça. Attends, la voiture grise, là. Putain, mais nous, franchement, nous, si on peut jouer sérieux, on le fera, les gars. C'est juste qu'à chaque fois, on tombe sur des cons. Mais là, eux, ils jouent bien, donc nous, forcément, nous, ça nous motive à jouer sérieusement, quoi. Et c'est tout à leur honneur. Merci à Rabajoie pour tout à l'heure. Non, je suis pas jamais touché à ça, fan, reuse. Ouais, je leur ai expliqué qu'on avait perdu tout ce qu'on avait à cause du modeur. Ok. Pas mal. Je vais juste acheter des balles. On doit aller où? À l'hôpital pour ouais, à ce moment-là, Lemon Grab. Ouais. On va d'abord à l'hôpital. Attends, c'est pourquoi où? Pourquoi y a team mec qui fume only shit et jamais de club? Je sais, mais je suis au courant, mais c'est quasiment la même chose, les mecs. Hein. Ouais, je fume du shit. Parce que la cigarette, c'est mauvais pour la santé, mais je fume du shit. Zarma, ouais, l'excuse. Ça, j'en ai déjà eu tellement des mecs comme ça qui me racontaient ça, je me rappelle. Non, je suis pas de shit, n'avais jamais testé. Aïe. C'est la grosse pute. C'est la grosse pute la daronne, elle se gay, quoi. Mais qui l'eût cru, quoi, quand même, qu'une tafiole pourrait nous mettre aussi bien, quoi. Ouais, bah, ils ont peut-être le cul qui gratte, mais ils ont de bonnes idées, ouais. Bon, peut-être que je vais demander à mon collègue de se ramener directement ici, hein. Oui, t'as pas vu les affiches dans le Marais de Los Santos, là? Oui. Pour l'élevage de PD, là. Nos PD ont du talent, là. Ça, c'est... Ah oui, nos PD, oui, ça j'ai vu, ouais, j'en suis aperçu. Ouais. Ah, je crois que voilà. Je me suis mis en tenue Casa del Papel. Ah bah super. Ah bah super, ça, bon, j'espère qu'on sera pas, oui. Est-ce que vous voulez une tenue Casa... Oh bah, parfait. Vous voulez bon, attendez, vous voulez une tenue Casa del Papel ou pas? Bon, y'a rien à foutre, moi je suis bien. Oh, ouais, non, on va rester comme ça, on va essayer de... On leur dira que c'était pour la Gay Pride, voilà, c'est... Ok, bon, c'est l'histoire, ça va être le braquage de ton cul, quoi. Est-ce que tu veux un gun? Parce qu'ils vont sûrement nous tomber dessus, faudrait qu'on soit les trois armés, je t'en donne un. Ouais. Vas-y, viens à l'intérieur. Allez, merci pour le host, j'ai oublié de le remercier à Moxel. Putain, faut que j'aille te follow après dernière. Voir un peu ce que tu fais, merci Moxel, on est sur GTA, on est en train de préparer une entourloupe à un gang, donc restez là, vous allez peut-être suivre la fin de l'histoire. Ok, tu le sortiras quand on le braque.
Ouais, si c'est ça, je dis là, 14 de seconde, parce que je peux me faire une luxation de l'épaule. Ah, c'est bon, je me sens bien. Attends, je vais voir épauling, épauling. C'est bon. Tu m'as déjà follow. Ah ouais, sérieux? Bah, ça veut dire que tu laves pas très souvent, alors, du coup, je t'ai pas vu. Hein. Ok, bon, j'ai analysé l'arme, c'est parti. Est-ce que tu peux enlever ton masque, ils te reconnaissent, quoi, sinon ils vont sortir peut-être en tolo, quoi. Ah bah, ok. Les mecs ils drop. Eh les gars, vous tuez les mecs. Hein. Vous bah attends, je vais armes. Te donner merci, notre arme parce que du coup il m'a. Nos fidèles ultra, merci beaucoup. Hein. Il nous file des armes. Tiens, ah oui, tu seras un petit peu plus crédible avec ça. J'ai, par contre, j'ai pas de balles. Ouais, il y a pas de balles dans cette arme là. Mais moi j'ai des balles d'AK. Ouais, il me reste. J'ai que des balles à clic. Ouais, mais c'est. Je pense que tu leur feras assez peur avec. Ouais, ouais, allez, c'est on y bon, va, c'est parti. Bon. C'est une arme de dissuasion quoi. C'est maintenant que alors, tout se joue, les gars. Il y a Rabajo dans bon, le chat qui nous demande un 1,4 million. Il va offrir un sub pour une petite blague boulette rigolote dans le chat. On si sort vous les armes, rien, on revient dans leur quartier, on les braque tous, on récupère le sac et on se barre. Ça et vous va? Comme ça, on part avec 2,8 millions, réfléchis. Bah, moi, je suis pas pour ce plan, personnellement. Ouais, c'est ouais, quoi moi, je suis pas, ouais, je suis pas pour ce plan. Vas-y, répète, explique-lui, parce que j'ai l'impression que le plan, c'est qu'on fait la vraie transaction et comme ça, on reviendra demain ou après-demain tranquille. On va entretenir la relation avec eux et comme ça, on va niquer les mecs. Et le but, ça va surtout être de trouver les mecs qui leur blanchissent l'argent et c'est eux et installer un climat de confiance pour mieux les enculer. Mmh, exactement. Exactement, enculer au premier abord. Enfin, je veux dire, regarde, toi, quand tu te fais défoncer le premier soir, derrière, le mec, il te jette, il te donne le sida, c'est fini. Alors qu'il pourrait être plombé pendant des semaines, tu vois ce que je veux dire. Et tu pourrais être rempli d'MST. Donc bon, profite un peu de la vie, quoi. Tu veux quoi, d'accord. Bah, allez, c'est parti. Faites gaffe, il y a eu des trolleurs encore. Un conseil, c'est minable. Ils sont où? Attends, je te dis, ils sont passés, ils viennent de passer. Bah voilà, voilà. Ça recommence, les trolleurs, ça recommence, la vie de ma mère. Putain! Comment c'est possible, ça? Ah, il casse les couilles, il casse les couilles. Putain! Non mais c'est pour dire comment les gens ils peuvent jouer comme ça. Dire oh, on va venir niquer les serveurs des autres gens. Plein le cul gros, plein le cul. Ouais. Ça commence ils viennent, plein, ils viennent sur des serveurs pour niquer le RP des gens. C'est quoi, ouais, c'est quoi des délires. Mais trop de mes couilles là, je sais que vous êtes en god mode dans mon cul de brasse. Niquez vos races à race. Pour tout chien de la classe. Je suis confiné chez l'Hervé par toute pute de race. Ça va frérot? Oui, ça va, on va pouvoir reprendre, oui. Oh, vous êtes deux ropés, n'empêche, c'est bien. Y'a quoi? Carré. Bien joué, bien joué. Ah, par contre, HRP là, on est en HRP. En RP, vous avez pas vu que j'ai une AK, d'accord? Okay. Non, non, bah non, frère, normal. Mais par contre, la quête, t'es pas censé la sortir tes fesses, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je l'ai senti parce qu'elle est modère, sinon je l'aurais pas senti réfléchir. Ouais, je sais. Ouais, non, là, c'est comme si personne n'avait d'armes, là. Enfin, vous nous redonnez de rendre des comptes, là, pour reprendre la chaîne, mais pas d'accord. Parce que je sais pas à quel moment on va devoir rejouer. Ah, c'est lourd, franchement, c'est lourd. Vas-y, vas-y, bah on attend l'OG. Ah, go, c'est bon, on attend l'OG, on craint plus rien là, et go. Ah, vous sentez ce petit climat de tendu par rapport à l'argent ou pas dans la scène? Ah, ouais. Ouais, mais ça, c'est. Oui. Oh, on le sent, mais ça va être ouf. Franchement, si on joue bien le truc, ça va être nickel, ça va être carré. Hein. Y'a moins de temps que tu kiffes, les mecs, jouez bien. Bah, même moi, frère. Et ah, ça les gars, prend la le tête, dis. Franchement ça prend la tête. Ah, HRP, les gars, y'a pas de soucis, vous pouvez m'appeler le gay ou le PD, y'a pas de soucis, moi je vous le dis, hein, tranquille. Ouais, non, donc on va HRP, mais en tranquille les mecs, ça fait, une semaine que je cherchais une scène et là, franchement, la j'en vie ai de pour ma mère, mon argent. Franchement, franchement, t'es l'un des premiers qui peut admettre un rôle comme ça, la vie de ma mère, franchement, respect, gros. Respect. Ouais, t'es un tueur. Ah, t'inquiète, t'inquiète. même toi, tu fais le daron derrière, t'es un tueur. Ouais, oh, ça vas-y. Oh putain, mais ça, fils de pute, va. Ouais, ça pue, toi. Casse les couilles là! Bon, attends, j'aimerais juste savoir, frère. Je l'ai one tap, la vie de ma mère. Pourquoi tu fais ça? Juste. Pourquoi tu fais ça, frère? C'est tout. T'as vu? Non, mais arrête de dire que t'as pas fait exprès, je sais pas quoi. Frère, depuis tout à l'heure, y'a des modeurs qui veulent me casser la tête. S'il te plaît, juste dis-nous pourquoi tu fais ça. Ouais, t'es un fils de pute en vrai, c'est tout. T'es vraiment un fils de pute. Mais je suis pas venu pour troll, bande de trop du cul, ça fait plus d'une semaine sur le serveur, bande du con. Et pourquoi tu viens nous écraser, frère, depuis tout à l'heure, ça fait que ça? Mais j'ai écrasé personne, bande de trop du cul. Mais si. Gros, on t'a vu, ferme ta gueule. Laisse-le. Putain, je te nique mon confinement, ça te fait un ban. Tu vas te faire ban, c'est pas grave. Vas-y, les gars, hé. Yanis, t'es là, Yanis? Excuse-moi, Max. Ouais, il est là, le con qui s'amuse à écraser, là. Tu peux le ban, lui, voilà.
Il est là. Ah gros, là, vie de ma mère, je vais devenir Godin. Il est juste en dessous là. Attends, c'est un modèle ou pas? C'est un modèle ou pas? Qu'est-ce que tu veux que je montre, frère? Ah ok, ok, trop bien. Il est au sol, il est au sol. Admin, il est au sol là. Lève les mains, toi, lève les mains vite. Lève les mains. Je peux pas lever les mains, frérot, moi je suis à terre. Ok, ça c'est très drôle ça. Attends, c'est qui Amino sur lui, les gars? C'est bon, mais c'est pour la transaction, wesh. On fait la scène depuis tout à l'heure. Ouais, mais attendez. Attends, c'est qui avec la M4 là? Laisse-moi parler, c'est quelqu'un, t'inquiète. Lui, il a sort d'où son M4, son AK? Moi, je l'ai dit la semaine dernière. La semaine dernière, c'est la première fois que je te vois. Comment ça prend? Et la semaine dernière, le serveur était même pas ouvert, frérot. Fais gaffe, fait que ça arrive encore. Ouais, mais vas-y, casse les couilles, le mode. Bon, bah, c'est bon, là, on en est. Attends. Bon, bah, là. Wesh, putain, qu'est-ce qui se passe là? Putain, ils sont en train de tout niquer là! Frère, pour de vrai, moi, ouais, nous on a trouvé un autre serveur, un whitelist, s'il est bien fait dessus. Ah ouais, ah ouais, parce que là j'ai l'impression que l'admin il est débordé, hein. Il arrive pas à tenir son serveur. Au pire, venez sur mon serveur et OG si tu veux, frère, tu prends. Ah ouais, on peut faire ça, une duplication de scène sur serveur à serveur, c'est ça? On duplique la scène, ça vous va? Non, on a trouvé un bon serveur, je sais pas si demain on doit y être normalement, mais. Franchement, Enzo, pour de vrai, ça sera me saouler. Ouais, de toute façon là on y arrivera pas, et l'admin j'ai l'impression qu'il en fout quoi. Moi je vais te dire là, les admins ils m'ont tué deux fois dans la banque en rigolant que c'était un braquage. Ah deux ouais. fois là en boucle là. Ouais, c'est pour ça qu'on a tout perdu aussi. Eh écoute, ouais. Dylan, t'as un serveur toi? C'est pas Dylan, c'est Fares, moi j'ai un serveur ouais. En tout cas tout ça pour dire que les mecs vous tenez bien le RP, c'était nickel hein. C'était nickel franchement. Si tu veux être OG Families, franchement chaud. Y'a combien de personnes dessus? On n'est pas vraiment beaucoup, mais si on... Ah mais attends, ouais mais il faut un peu de monde quand même, tu vois. Putain, c'est chaud. Nique ta mère, sale fils de pute, va. Nique ta mère. Il est mort. Je sais qu'il faut du monde. Oh les gars, je sais qu'il faut du monde. Mais au moins rejoignez le Discord comme ça, je vous tiens au jus si ça se remplit un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, attends, je vais appeler mon collègue. Franchement, je vous mens pas, on l'a ouvert hier, hein, les gars. On l'a ouvert hier, c'est pour ça. Ah ouais, mais le serveur, il a du succès, mais auprès des cons aussi. Il y a tout, frère, il y a tout. Tout ce que tu veux. Ah, c'est un nouveau serve. Et il est où mon pote là? Attends. Ouais, oui. Ah ouais, t'as craqué toi. Ah ouais, là c'est vraiment tiré à vue direct. Ouais, non mais t'as raison. Attends, je vais sortir aussi mon arme de poing, c'est con jamais. Avec un peu de chance, une balle perdue est vite arrivée. C'est un nouveau serveur, t'as compris, mais il est pas encore dans le top serveur. On sait pas comment les mettre. C'est combien à travailler dessus? Non, mais là, on est 4. J'ai l'impression que le serveur est en overbuzz. Il est en train de buzzer, et le problème c'est que quand on est en buzz, il y a forcément des cons qui viennent. Ouais, bah ouais, c'est sûr. C'est qui veut se faire raise? Alors si franchement, si vous êtes chaud, moi je vous envoie déjà les familles, je vous envoie tout en Discord. Ouais, il y a les coffres et tout. Je sais pas si on va pouvoir. Attendez, me dites pas que le... Oh putain, le gars il est mort. Tous les gars ils dorment, les gars. Tous les gars ils dorment. Bon le gars là, réveille-toi là, putain, y'a pas un mec qui peut le revive? Oui, non, on peut pas revive. Il faut me revive, j'ai tout sur moi. On peut pas gros, on peut pas, y'a pas de... Vas-y. Oh non, il a tout l'argent sur lui. Je vais récupérer ce que j'ai sur moi, j'ai d'extasie. Mais tu peux rien. Vas-y, bah tranquille, venez me chercher à l'hôpital. Putain, après on reprend la scène là. Récupère Alex. T'es là, ma paix? Sérieux, ouais. C'est relou, la vie de ma mère. Si je déco Rocco, ça va me réanimer auto ou pas? Non, tu restes pas de mort, Je peux pas lui prendre. Fais flèche du haut, frérot. Fais flèche du haut. Il arrive. Moi? Il est mort. The B, bien joué. Il est mort. Quand tu pètes des câbles, gros. Les gars, j'arrive pas à lui prendre les sas, c'est qui là? Il est mort. Ah, non mais essaye de prendre le saisie toi. Putain, ils sont en train de niquer la scène. Oui, là je comprends plus rien, là. Il y a comme une entourloupe. Peut-être que c'est eux qui essaient de nous baiser quoi. Bon les gars, j'aimerais savoir, dans l'histoire, ne dites pas que ce sont des gars à vous quoi, qui essaient de nous baiser, quand non t'as plus surgé, tu tombes KO. Non mais abusez pas les gars, quand même, doutez pas. Ouais, je sais pas, comme par hasard c'est dans votre quartier quoi, c'est pour ça que je me posais des questions. Mais je te promets que, gros, on a que des couilles, y'a que des trollers chez nous. Notre putain de coffre il va pas. Tout à l'heure notre agence elle disparaît. Eh, y'a que des couilles avec mon frère. Mais vous avez demandé une voiture là-bas encore. Ah ouais, on demande, ça fait 5 jours on demande pour son frère. Mais frère, d'où tu fais de la pub ici? Vas-y, je vais aller chercher des gars. Parce que ton serveur c'est de la merde.
Voilà. Ouais, bon, par contre, la nuit, je suis désolé, mais ça va, vous rentrez dans la banque, vous butez. Mais ça va. Mais on rigolait parce que je savais qu'il y avait un putain. Ça me fait pas rire, moi, putain, je suis un daron. J'ai autre chose à foutre que de jouer avec des gamins comme toi, là. Tu te prends pour qui, toi? Qui te pute, toi? Cacher les couilles, là. Nique ta mère. Nique bien ta grosse mère, qui te pute, toi. Il me tue. Ah, mais après, il a pas tort. Non, mais là, il dit ça sous le coup d'énervement, les gars. Il a tenu sa scène tout le long, c'est pour ça qu'il pense à. Voilà. Les gars, en fait, je vous explique. Tous les staffs, tous les modos, ils sont partis dormir. Donc vraiment, il est 5h30 du matin, comprenez-les, les gars. Il faut rien faire. Ouais, non, mais je comprends que le serveur, c'est chier à chier, là, les gars. Écoutez. Mais attends, écoute, s'il te plaît, laisse-moi parler, là. Parce que, frère, je pense que ça nous gaffe tous. Si même on peut même plus parler, ça sert à rien de rester ici. Écoute, là, le serveur est en train de buzzer, là. Passez-le en putain de whitelist. Il est en train de buzzer. Ça sert à quoi de le laisser en free access? Oh, je vais parler. Maintenant, tu passes en free access. Il y a combien de personnes, sur toutes les personnes qu'on a là maintenant, qui vont venir faire un dossier? C'est mon plus beau coup, je crois. Eux qui sont là déjà, là. Eux qui sont là déjà. Tu les acceptes, c'est tout. Ils sont déjà faits. Ouais. Mais ouais, les ouais, prochains, ouais, les futurs. Ouais, je veux bien, mais tu ouais. vois, des mecs qui veulent vraiment jouer vraiment leur scène RP, tu vois, à fond de balle. Écoute, regarde. Fais passer l'info dans les dossiers. Je sais que j'ai déjà envoyé un message. Les gars. Merci pour l'alerte, GG. Bon, moi je transporte à l'hôpital, je reviens. Vas-y. Les gars, c'est bon, je suis pris pour la scène, moi. C'est bon, on est armé. Allez, c'est parti, showtime. Rentrez dans le quartier des familles. Oh, on va rentrer. Dialogi. Dialogi qui vient, on est pris pour la scène. Sinon, l'argent que tu voulais te donner, moi je dis pas non. Ah, frérot, je vais pas te mentir. Mais toi, t'es de la Gomorra, HP? Ouais, HP. Ah, ouais, ok. Vas-y, on va se fight dans le futur, je te le dis, frérot. Ah mais attends, en fait, ce qui est louche, c'est que même les staff, ils savent même pas d'où elle vient ton AK. T'inquiète pas, frère. Venez à l'intérieur du casier. Ouais, on va faire ça. Ouais, c'est des mailles rochons, quoi. T'inquiète, on va traiter avec la Gomorra plus tard. Vas-y, viens, Edge. Il est passé. Mais il est où, T'es où, ma fête? Ils t'ont écrasé? Ouais, il m'a porté dans le quartier pour parler dans le coma quand même. Ah, il est où, Eh, mais je suis mort, gros. Qu'est-ce qu'il a dit? Le cerveau, il est en train de buzzer. Ouais. Je t'ai mis en confiance là-dessus, je suis mort. Mais malades. J'ai pété de rire. Ouais, je te vois, c'est bon, j'arrive. Ah, moi je suis d'accord avec vous, hein. Ouais, t'as bien fait de le ramener ici, ouais, bien joué. Putain, parce que moi je suis sur Flashland qui est quand même la référence. Bon. Pour les streamers et tout. Ah, frère. On a joué sur Adastra et tout. Je suis désolé, mais la scène elle est niquée. Ouais, là elle est niquée, on va devoir reporter, mais c'est pas grave, tranquille, ouais. Tranquille. Ah vas-y, gros, tu veux qu'on fasse quoi? Parce que nous on a l'argent là. Non mais c'est niqué, arrête de faire ton gay-roll là, si tu casses pas les couilles. On s'en bat les couilles de ton gay-roll là, c'est clair, il a raison. Ah ouais, gros, les gars, je kiffe votre RP, hein. Ah voilà, bah merci, on est là, on fait les choses bien. Vous faites trop rire, la vie me fait super rire. T'as là, j'arrivais pas à en placer une, je suis désolé, mais ça, c'est trop marrant. Non, on a marqué un moment, t'as rigolé, ouais, tranquille, c'est normal. Regardez, là, on dirait pas Al Pacino dans la scène finale, là. Ah, gros, de base, toi, tu RP sur quel serveur? Flashland? Non, du tout, c'est ma première expérience. Ah ouais, putain, tu tiens bien ton RP pour un mec qui commence le RP, hein. T'as le niveau de 80% des joueurs de Flashland. Ouais, en général, les gangs, le RP avec les gangs, c'est schlagué de ouf, c'est claqué, mais là, franchement, vous l'avez bien tenu. Bah, avant, je faisais sur Gmod, tu vois. Sur GTA, c'est ma première expérience. En général, ça coupe des tu vois, des doigts, coupe des oreilles, coupe des zizi. Ouais, des bonhommes, tu vois, c'est tu connais ces RP dégueulasses. C'est ce que je disais avec les balas. Je disais, moi, j'aime pas gunfight. Moi, je préfère avoir un dialogue. Ah, ça vas-y, ça fait plaisir, la ouais. vie de ma mère, j'ai envie de te sucer. Ouais, ouais, mais c'est nul, ouais. Ouais, là, c'est nul le gunfight. T'es remis dans ton rôle, là. Et exactement, et ouais. C'est bizarre que vous m'ayez dit que les balas. Eh, arrêtez de parler radio, venez quartier là. Ouais, c'est bizarre qu'on m'avait dit que les balas, tout à l'heure, ils faisaient les malins un peu. Parce qu'il allait. Ah ouais. Il a les mêmes propos que moi, le chef balas. Ah, mais il gros. Pas gunfight. Écoute, moi je vais pas te mentir. Ouais, tu me parles pas de gunfight. Tu me parles d'âge, mais tu me parles pas de gunfight, tu vois. Ouais, tu parles d'RP, ouais, direct, c'est bien. Tu t'as compris? Mon gars là, c'est pareil. Tu me parles pas tout droit. Ah ouais, lui aussi, il est chaud. Il tient bien sa scène. Ah ouais, j'avoue. Tu vois, non, mais de toute façon, on l'a remarqué. Il aime bien les dialogues, tu vois. Ça sert à rien de gunfight, après tu tues tout le monde, il y a plus rien à faire. Mais ça fait ouais RP pige quoi. Ça c'est exactement. Pour les voilà, c'est pour les petits ça, tu ouais, comme ça pour bah les là, gamins. Ça, c'est online, c'est tout. Ouais ça mais... là j'avais l'impression sérieusement les gars d'être dans un film. Voilà. Et je te jure c'est un de ma mère. Voilà, c'est trop beau. La scène elle était magnifique, mais à cause des petits fils de pute comme ça là-bas là. Non, pour de vrai.
Nous, on parlait peut-être un peu trop en même temps, t'as vu? Mais pour de vrai, ça jouait bien. En plus, moi, je pas de mentir, tu vois. IRL, je suis gay, je suis un petit peu harcelé au lycée, tu vois. Là, j'en profite du confinement pour me changer d'idée et j'ai fait de bonnes rencontres, tu vois, depuis le début sur la. Voilà, ah, après, nous parler de son ah mais français, après, frère, ça, c'est ta vie. Ça, c'est ta vie, tu vois. Ouais. Moi, je suis pas là. Moi, personne. Moi, je juge personne, frère. Tu fais ce que tu veux. Tu vois. Mais du coup, ouais. Mais du coup, dis-le aussi, ça te blesse un peu quand on dit le. Non, frère. En vrai. Après, frère, écoute, frère. Moi, je suis pas un gamin. J'ai 27 piges, frère. J'ai 3 enfants et tout. Tu vois, c'est pour ça que je suis pas. C'est pas moi qui va t'insulter de PD ou quoi, tu vois. Frère, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Tant que t'es heureux dans ta vie, tout va bien pour toi, frère, c'est tout. Les gens, ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, t'en bats les couilles. Ouais, même dans le RP, en général, ils sont pas. Même dans le RP. Ouais, c'est pas ça. C'est pas que tu prennes perso, ouais. On m'entend encore là ou pas? Le gay, c'est blessant ou pas? Bah, en vrai, ça va, tu vois, le gay, ça va. Après, PD ou tête de zeub. Ou je sais pas. Non, t'as envie d'applaudir quand même parce que franchement. Il y a un balas. Ils ont pas perdu patience, ils ont. Eh, je peux parler au minot qui faisait de la pub. Vito, je t'ai dit que tu t'appelais Vito. Ouais, c'est qui le mec qui a fait la pub là? Ah, mais c'est Vito pire. Vito, Vito. Mais ça veut dire quoi? Eh, tout à l'heure j'ai vu un mec qui m'a dit Zemel. Ça veut dire quoi Zemel? C'est PD, Zemel. PD. C'est qui le minot qui a parlé de son serveur tout à l'heure? Ouais, il a fait vas-y, la première fois. T'as vu là, on s'est fait niquer notre scène. Laisse-nous, s'il te plaît, un peu. Non, mais attends, vite fait, je dois parler. Non, mais laisse-nous, t'as vu, moi. Non, t'as vu de nous laisser, casse pas les couilles, gros. Déjà qu'on a niqué notre scène. T'as servi à rien, l'admin, là. Casse pas les couilles, vas-y, dégage. J'en peux plus. Ta race, moi. Vraiment, casse les couilles, là. Vas-y, s'il te plaît, vas-y. Bah, non, par contre, vas-y. Vas-y, viens. C'est relou, c'est relou. Faire gros là devant tout le monde, s'il te plaît. Mais voilà, mais frérot, je te fais banner là maintenant tout de suite, sort, c'est bon. T'as fait quoi, lui? Mais il veut quoi? Godez notre pote, godez notre pote. Écoute, si j'ai envie de parler avec eux, Putain, ça, vas-y, bouge là. Hein? Eh, mais frérot, là, tu sais que là, tu vois, c'est un truc à échapper, donc je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux, je reste ici s'il faut. Là, c'est RP, mon frère, c'est toi qui viens de parler. Tu mérites des claques dans ta grand-mère, hein? Y'aurait. Goumez-le! Heureusement qu'il n'y a pas le fondage, je te jure, la tête d'Oam, il pas dans la tête, là. Eh, c'est mon collègue, trop du cul. On vas-y, a retourné le cercle. Mais voilà, c'est niquer vos mères, voilà. Comment ça niquer vos mères? Ouais. Ah ouais, ah, il est ça. Ah ouais, le staff. Ah ouais, le staff. Même le staff, il fait ça. Même le staff, il fait ça. Ah, l'Itaïs, le staff, allez, baisse ta race. Eh, tirez sur le staff, les gars, tirez sur le staff, bâtard. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ça fait. Ah, pourquoi tu fais l'étoile, toi? T'as l'air de nous, non? Vas-y, je te suis. Ah ouais, moi? Ferme ta gueule, tu bois. Bon, vas-y, c'est bon, vas-y, on. Ah, baisse ta mère! C'est bon, elle est morte. Ouais, c'est masterclass, c'était nickel. Bon, dommage qu'on a pas fait la scène finale, mais les gars, applaudissements à Choupa, à Mbappé, les gars. Parce que, franchement, là, le niveau était tellement élevé. Des fois, j'étais limite en.